c'est le récap. Ça marche, c'est bon, c'est bon, tout fonctionne. Les amis, t'as réussi à péter la cloque quand même. Putain, avec une balle en mousse. Ouais. Avec une balle qui pèse absolument moins que zéro. Et en plus, en face, j'ai une merde géante maintenant que tu m'as mis devant l'horloge. Ah oui, voilà. t'as souri. C'est assez catastrophique. Mais tout va bien, en tout cas, t'as été bien meilleur tout à l'heure sur les jongles pendant l'entraînement. Putain, ouais, mais c'est trop comme ça. Il a fait je vais jongler, il prend le ballon et il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il en fait 40 et il fait putain, t'es trop fort. Une balle en plastoc là, c'est pas facile. C'est ce qu'on appelle les joueurs d'entraînement, tu les connais. Les mecs qui brillent toute la semaine à l'entraînement, ils t'arrivent en match, et là, il y a pas rien. Et là, oh là ça là, t'essoie. Laissez-moi vous dire que ce monsieur-là, ouais. il a bien raison. Comment ça va, Genius? Bah, ça va, une belle semaine, on s'est régalé hier. C'est réglé aujourd'hui, un beau lunch play, un beau hallucinoche, puis voilà, on est bien, quoi. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Trois tweets. Trois tweets. Oh, 3 tweets quoi? Attends, je mets tout hier, je peux pas tout mettre tous les jours. Attends. C'est vrai, Marie, cela dit. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas utilisé hier, peut-être que. Ah non, Genius, tout est passé hier. Il y avait 4 tweets, ils sont tous passés. Puis, hein. Et puis, vous avez raté quand même une magnifique chronique que j'ai fait dans le lunch play, qui était. Je suis venu à 9h exprès. Mais en fait, c'est ça, j'allais te dire, le lunch play, j'en ai rien à foutre. Ah, mais je peux la recycler quand tu veux. Ah avec grand plaisir. Voilà. C'était une chronique qu'il a déjà recyclée. Ouais. C'était une chronique qu'il avait fait pour l'émission de Galipis. Non, le Smash Club, non, j'avais fait. C'est pas la même. En fait, il a fait. Je vais présenter à l'oral au brevet aussi. Ouais. ça fait 20 ans que je la connais. Ça me rappelle une certaine chronique manette qu'on a vue dans le matin, dans le récap. Ah, elles étaient différentes. Elles étaient différentes, les chroniques manettes. Une manette différente à chaque fois. Non, c'est parce que le 7 juillet sort Match Point Tennis Championship et comme je suis fan de tennis, j'ai testé le jeu, je vous l'ai dit, depuis 2 jours. Je me régale pas mal. Donc voilà. La vérité, gros. Je pense que pour que ce soit clair pour les gens, que ce soit intéressant pour nous, même pour ceux qui n'ont pas joué au pressant top spin et tout, faut que tu te ramènes. Regarde, je te donne des devoirs. Je te donne des devoirs. Ah non, mais cherche pas, la chronique était brillante. Le jour de la sortie de Matchpoint, là, okay, tu te pointes avec un truc qui dit sur X critères, Matchpoint est mieux que ça ou moins bien que ça, ou mieux que ça ou moins bien que non. ça. Et à la fin, tu sais. Faux. Tu veux jouer à un jeu de tennis, que jouer à ça. Non, faux, j'ai envie de te dire menteur. Écoute, Max, je t'aime, il y a de chance. Il y a pas de chance qu'on n'a pas compris dans le jeu encore. Ça va juste. Non, attends, j'ai fait quoi? 7 jeux, les plus grands jeux de tennis selon moi. Voilà. Et après, j'ai fini par Matchpoint et ce que portait Matchpoint par rapport aux autres jeux. Est-ce qu'il y a Super Tennis dedans? Bien sûr, sur Play Nintendo. Voilà, monsieur. Tu prenais qui? Voilà. Matt, pour les prendre. Oh, après, j'étais hyper jeune. J'étais Matt hyper jeune. John à l'époque, c'est le mec qui avait la nuque longue là. Putain, t-shirt John, short noir. Parce que c'est très fort sur service. C'était le suivant de Jimmy Connors. Non, c'était avant Jimmy Connors. Oui, le suivant, voilà. Parce que j'aime parler de Tennis for Two, qui est le premier jeu vidéo de l'histoire, qui était un jeu de tennis. Ne refais pas ta chronique. Bah, je connais par cœur. Ouais, c'est sûr. La seule question, c'était Matchpoint. Ouais. Du coup, c'est le meilleur jeu de tennis ou pas? Non. Bon, bah voilà. Nanix, comment ça va? TLDR. Attends, mais il est pas mal. Il y a du temps. Hein. Attends, mais il est pas mal. Il est pas mal. Mais ça ne suffit pas. Faut être le meilleur. Bah, le meilleur jeu de tennis, je vous l'ai montré, c'est Full Height. Il est là, regarde Super Tennis. Ouais. Il régalait, hein, il régalait. Affreux de jouer sur gazon, par contre, à Super Tennis. Ouais, ça rebondissait à zéro. Catastrophique. Il a déjà fait du tennis, Nanix? Ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune et j'étais nul, donc j'ai vite arrêté. Comme le basket aussi, deux sports qui étaient. Et Dieu merci, Dieu merci. J'étais grand pour rien. Le sport sur lequel t'es le meilleur, c'est le foot? Ouais, le foot, je me débrouille, attention, doucement. Pétanque. Je suis plus fort, dans pétanque, je cherchais. C'est bon. Vraiment, c'est terrible. Non, le foot, ça va, je me démerde. Tu es meilleur journaliste sportif qu'en sportif, c'est ça que tu veux dire? Je suis meilleur en joueur d'e-sport sur des jeux de sport qu'en tant que véritable sportif. Ouais. Et ben voilà. Ça l'est bien sorti parce que tu l'as bien mis dans la merde. Hein. Ouais. Ouais. C'est quand même quelque chose. Non, bah, journaliste sportif, ça va, je suis sympa. C'était son métier quand même. Il s'est parlé de plein de sports. Je suis pas un bâtard à ce point-là. Tu vas bien? Un peu jet-lagué, mais ça va. Tu vas nous parler un peu de tes vacances? C'était pas des vacances. Non, ça, c'était boulot, pas boulot. Bah, j'ai bossé un peu quand même, tu crois quoi? Alors, maintenant que t'as teasé là-dessus, on va revenir et que tu veux dire ce que t'as fait. Ouais. On va voir. Ouais, pas de problème. Ouais. Voilà. Comment ça va, Rof? Ça va, sauf que je pèle de plus en plus du crâne là. Oh, le crâne est à deux doigts de. J'ai fait comme ça tout à l'heure et j'ai plein de. Bah oui, de peau morte. C'était. Ça pète des peaux mortes. La peau de comme sur les pieds, mais sur la tête quoi. On m'avait pas dit ça. On m'avait pas dit qu'il fallait que je garde une casquette en fait. Ok, Voldemort. Moi j'aime bien, c'est un peu pot de couille. Romar, je me moque de toi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé ce week-end en point de vue de la calvasse des chauves. J'ai pas été meilleur que toi, j'ai voire été pire. Hein. Ah
Voilà. Mais oula, c'est vrai que ça te fait une petite peau de couille sur la tête, c'est assez catastrophique. Oh, regarde. En direct, ton crâne va s'ouvrir en fait. C'est vrai, en direct, un œuf craquelé. Tu connais le Pokémon non-œuf? Oh. Enfin, regardez, je fais ça. La vache. Ouais. Ça, et tout tombe sur mon PC. Et maman, j'ai raté l'avion quand tu parles. Pas le métier. Ah non. Pas le métier. Parmesan. Bah, avec ce que tu bouffes, tu peux en mettre dans tes pattes. Hein, ça, je suis pas fan du parmesan. Ah, tu regardes. Évidemment. C'est lui. Ah, le neuf. Il est un peu craquelé. Il est là, effectivement. Ça, tu mues, quoi. J'avoue, le beau. Le petit, il y a quand même un qui a le cerveau à l'air, quoi, de neuf. Ouais, tout va bien pour lui. Bref. T'inquiète pas, c'est un agrégat. Ils fusionnent. Ils sont plusieurs dans une seule et même personne. Sur ce, on va demander à Erwan comment il va. Oh là là, quand même. Ouais, ça va mieux depuis, on est mardi, ça va mieux depuis hier. Mais je vais vous raconter pourquoi, parce que je me suis fait massacrer un peu la gueule. Okay. Et sinon, ouais, ça va, j'ai plein de choses à vous raconter sur le week-end, donc balance ton jingle de merde qu'on puisse commencer. Oui, très bon. Ok. Jingle. Faut gagner du temps, là. Bon, bah, Erwan, on voit la sauce. De toute façon, pour que la régie nous dise, oui, ça va. Oui, voilà. Non, mais c'est exactement pour ça que j'ai dit, vas-y, j'arrête. Donc, ça fait deux semaines que j'étais pas là, les amis. Oui, ouais, ça va mieux au niveau. Tu sais que maintenant, c'est vraiment mon petit rendez-vous du mardi, 18h30, 20h30. Et quand je peux pas le faire, n'en déplaise à Marie, bah, ça me manque. Voilà. C'est chiant. Ça me manque vraiment. Et du coup, bon, j'étais pas là il y a deux semaines parce que je sais plus, je crois que je commentais le 3-3 à la Coupe du Monde, il y avait une autre fois, bref. C'était donc la semaine dernière, vous le savez, moi mon week-end il a. Je voulais te demander, c'était parce que j'ai vu l'affiche, c'était bien le 3-3, ça avait été génial. Folie. Les filles ont fini. Les filles ont gagné. Les filles ont été championnes du monde et les garçons ont fait médaille de bronze et ils ont fini à 3. Alors que finalement c'est des équipes de 4 avec beaucoup de rotation parce que le 3-3 c'est en demi-terrain mais c'est un rythme de fou. Ne s'arrête jamais. En plus ils jouent sur un vrai cagnard, c'était à Anvers en Belgique. Oh. Donc ils ont fini à 3 les garçons pour la médaille de bronze sans rotation. Donc bravo à l'équipe de France de 3-3. C'était très très cool à commenter avec Thomas, on s'est régalé. On s'est mis un petit setup en bas. Alors, c'est pas ça, Marie. Ça, c'était. J'y arrive, Marie. Mais j'aurais dû te briefer un petit peu sur ce que je t'ai envoyé aussi. Autant pour moi. 0-1 pour l'instant. Donc voilà, c'était très, très cool. Et on était avec Tom en banc. On s'est mis un petit setup au moins 1. C'était toujours bien de commenter. L'équipe de France, ça te met un fuego. Je ne sais pas si dans l'e-sport, ça fait ça avec les équipes de France. Ah, mais toujours. Ah bah toujours. Dès qu'il y a un peu chauvin, là. Le côté un peu chauvin qui se met en place. Raciste, tu peux dire même. Non. Ça va. Chauvin, c'est bien. Oh, ça va, on peut rigoler. Merde. Donc, non, évidemment, chauvin. Puis ce qui est bien que le 3-3, c'est que tu découvres des joueurs que tu connaissais pas, d'autres pays aussi, et tu t'attaches à des joueurs, tu découvres des mecs et des filles, parce qu'il y a aussi un tournoi de filles. Donc, c'était très sympa. Notamment, on a vu les Chinoises qui avaient deux postes intérieurs. Vache, des basketteuses, grandes costauds, des mains qui se déplacent, bonnes passeuses, joueuses complètes. Enfin bref, c'était très intéressant à faire. Et la semaine dernière, mon week-end, vous savez qu'il commence d'habitude le jeudi soir, back in the day. Question peut-être idiote, vas-y. J'avoue que je ne sais pas. Il y a une NBA femme? Il y a la WNBA, oui, qui existe depuis 1996, je crois, oui, c'est ça. Ok, et du coup, ces joueuses dont tu parles, est-ce qu'elles sont en WNBA? Il y en a qui sont passées par la WNBA. Il y en a quelques-unes qui sont passées par la WNBA, mais en fait, le plateau 3-3, voilà, on voit là. Là, on voit Liz Cambage, notamment l'Australienne qui fait plus de 2 mètres, qui est une joueuse extraordinaire, un peu caractérielle et pas facile à gérer. Mais tu vois, regarde à l'intérieur, là, la numéro 1, c'est une super bonne. Il y a des Françaises qui sont en WNBA, hein. Il y a notamment Marine Johannes qui joue chez les New York Liberties. Il y a aussi Marine Fotoux, mais elle n'est pas là. Elle a été draftée quand même. Voilà, il y a eu Sandrine Gruda qui a joué pendant des années. Ndimien qui est passé par les Minnesota Lynx, comment elle s'appelle, Céline Dumère qui est passée par les Atlanta Dreams, je crois. Ouais. On va dire il y en a pas. Là. Oui, on peut pas le contredire. Ne cherchez pas d'aide. Bref, oui, donc le WNBA existe depuis 1996. Okay. Et c'est mieux. Et c'est de mieux en mieux et c'est toujours un plaisir à regarder. Et puis surtout, comment elle s'appelle, je ne peux pas l'oublier, c'est Ilyana Rupert chez les Las Vegas Aces. Okay. Elle n'a pas joué à Las Vegas. Bon, elle n'a pas 21 ans, elle ne peut pas picoler. Tant mieux pour elle. Donc voilà, ça existe. Et donc, la semaine dernière, vous le savez, avec Fersim, on est parti, j'en ai fait la promo ici, au Delta Festival. Ouais. On est arrivé le mercredi, début d'après-midi. Voilà, c'était ça. Oh là là, moi, je suis arrivé 2 heures après. On a pris notre hôtel. Moi, j'ai dormi quand même 2 heures. Enfin, je voulais dormir une demi-heure. J'ai dormi 2h30. Et je me suis retrouvé finalement, je les ai rejoints après. C'était déjà bien chaud. Et donc, c'est au Prado, au bord de plage. Il y a 2 énormes scènes, et puis entre les 2 scènes, tu as plein d'animations, c'était très cool. Ça, c'est l'after dans l'hôtel, le Now. Et donc, pendant 4 jours, on a été, pendant 5 jours même, on était là-bas, jusqu'au dimanche soir. Bon, la semaine a été très, très agitée. Ça, c'est le concert de Magic System
Alors on peut dire ah, Magic System. Oh, premier gaou. Ouais, c'est ambiance. Je peux te garantir que au-delà de l'ambiance, le live amène quand même, tu vois qui est qui. Ah oui. Et en live, alors ils avaient des musiciens de très très haut niveau derrière, c'est des ambianceurs de fou et on a passé un super moment. C'est le live amène quelque chose de plus vraiment et ils nous ont régalé, ils ont ambiancé, t'as vu la foule qu'il y avait. Franchement, c'était tip top, donc on a fait ça le mercredi, le jeudi, donc c'était là où le mercredi on a vu Sean Paul, le jeudi on a vu donc Magic System. On a enchaîné avec des soirs où on a fini un peu tard et le vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? Oh putain. Et là Marie, attention, tac tac, tu vas pouvoir lancer la vidéo. On avait le train à 7h30 à la gare Saint-Charles, pour arriver à Paris dans la journée, faire une émission avec la FIBA Basket qui nous amenait la Coupe du Monde de basket qui était assise et qui était juste là, posée là, à ta place. C'est la photo, Marie, que je t'ai envoyée tout à l'heure. Elle était là. Ça, c'est la Coupe du Monde de basket qui sera remise en jeu en 2023. Et on a fait l'émission. On est reparti à 18h30. On est arrivé à Marseille. Wow. À 22h, parce que le train avait évidemment 1h30 de retard, sinon c'est pas marrant. On est arrivé à 23h30. Qu'est-ce qu'on a fait à 23h30? Moi, j'étais cuit, mais il y avait Carl Cox quand même qui jouait de minuit à 2h. Putain. On est reparti au truc. Wow. Moi, j'ai pas duré longtemps parce que le lendemain, j'avais les 30 ans de ma cousine. Putain. Et donc moi, ça a l'air retour dans la journée. Marseille, Paris, Marseille. Dans la journée. C'est le vendredi où je vous ai croisé, là, tu m'as dit. Moi, en fait, il m'a tué ce truc-là. Bah ouais. Donc, bref, c'était. Carl Cox. Le lendemain. T'as littéralement fait 12 heures de train. Ouais. Nul à chier. Bah si, c'est 3 heures, Paris-Marseille. Bah, ça fait 6 heures. Oui, mais tu es parti de Paris. Tu étais à Marseille. Non, j'étais à Marseille le jeudi soir. D'accord. À Marseille, j'étais au festival. D'accord, très bien, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est vrai qu'il t'a pas contredit quand tu as dit. Juste un petit mot sur Carl Cox. Dis-moi comment c'était. Bah alors, moi j'y suis pas allé. Ah, t'es pas allé du tout? Ah, mais gros, moi le lendemain, j'avais les 30 ans de ma cousine. Ouais. J'ai pas pu y aller. Oh putain, Carl Cox. Mais tu demanderas à Thomas. C'était mon regret et tout. Ah, mais ouais. J'ai dû faire un calcul. Ouais. Mec, 1h30 de retard à l'aller. T'aurais pas tenu. Ah, d'à 7h. 1h30 au retour, on arrive à 23h30. Et en plus, moi, je dis, je dors une demi-heure et tout. Ouais. Il y avait la navette qui était en bas. Et en fait, avec 1h30, on n'a pas pu faire partir tout de suite. J'ai fait, je peux pas. Ouais, t'as choisi. Depuis Noël, je n'étais pas rentré chez moi, je ne peux pas arriver avec la barre. Tête en croix. Ouais. mais la tête en croix, je vais l'avoir quand même et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, bref, Carl Cox de fou. Thomas, il est reparti le lendemain à 11h à Paris. Hein. Donc, bref. Je récupère. Déterre, le jeune papa. Hein, ouais. Non, mais la vie va le rattraper, mais pour l'instant, il fait kiffer. Regarde, comme il n'a pas l'air malheureux. Donc, ça, vraiment, on a vécu les deux premiers jours incroyables. Le vendredi, on n'était pas là, mais le vendredi soir, sur Carl Cox, fantastique. Le samedi dans la journée, je récupère une case chez ma mère. Je monte les trois qui restent de First Team et on va en famille. Piscine, sympa, très bien, nana. Et à un moment donné, c'était les 30 ans de ma cousine. Mon cousin, une fois, tu as écrit un texte. Je fais, non, j'ai pas eu le temps, je sais que bosser. Il fait, écris-lui un texte. Et là, je me mets sur le coin de la table. Je fais, très beau, très chaud. Je me mets sur un coin de la table. Je commence à écrire un truc. J'ai deux, trois blagues qui me viennent. Et à un moment donné, je fais, putain, j'ai chaud. En fait, j'étais plein cagnard. Je fais, putain, j'ai chaud et je continue. Et moi, je fais, waouh, je suis pas bien, quoi. Je me mets à l'ombre et là, je fais wow, « je suis pas bien du tout ». Et en fait, il y avait un rayon du soleil plein fer sur le crâne et je ne m'en suis pas rendu compte pendant une demi-heure, j'ai pris une insolation. Ah ouais, putain, la vache. Oh mais gros, l'insolation, c'est plus de lumière, plus de son, plus rien. Ah, ça fracasse, hein. Terminé. Ouais. Donc en fait, t'as pas pris de coup de soleil, juste ça a directement traversé la tête. Ah ouais, un coup de cerveau, quoi. J'aurais préféré prendre un coup de soleil, crois-moi. Oh, j'avais plus de jambes. C'est terrible. T'es fatigué, t'as mal à la tête, t'es pas bien, t'as pas de jus. Tout ce que tu dois faire, c'est un supplice. T'as chaud, tu transpires. Donc, j'ai passé 48 heures. J'ai quand même fait l'anniversaire tant bien que mal. Le lendemain, tu vois, c'était compliqué. Ma mère, elle m'a ramené à l'hôtel le soir. Le lendemain, tu vois, on devait aller une dernière fois à l'hôtel en bord de piscine. Je suis allé bouffer chez mon frère au calme et tout. J'ai repris le train et jusqu'à lundi matin, j'étais pas bien, quoi. Ouais. L'insolation, c'est la première fois que j'en ai chopé une. Elle m'a détruit la tête. Ça déglingue. Ah ouais, mais vraiment, mais t'as tous tes sens, t'es là, t'as mal au ventre, t'as plus de jambes, enfin, ça m'a démoli. Donc je me dis, mais quel con, faut être à 40 piges, mets un capet ou sur la tête, et on n'en parle plus. Donc voilà, donc c'est une bonne leçon pour l'été qui commence, de mettre les chauves, les gars, mettez des chapeaux sur la tête, parce que gros, après, c'est vraiment pas rigolo. Mais non, ça, c'est intéressant, c'est qu'aussi, quand tu es chauve, tu te dis, je suis débarrassé de toute notion de coiffure, de machin. Et croyez-moi que ça peut. Bah même les non-chauves, hein. Enfin, mais faites attention. Mais, c'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, je suis un mec, je me mets de la crème, je me reste au soleil, je crains pas le soleil vraiment. Je suis plutôt. Et là, je pense que j'étais dans un mauvais angle, bref, peu importe. Mm. Et puis la fatigue aussi fait que. Et oh là là, mais le coup de pelle dans la gueule, mais c'est incroyable.
Tu sais, derrière, il y avait l'anniversaire et tout, donc j'ai essayé de faire bonne figure et tout, mais même la bouffe, j'avais acheté des brochettes extraordinaires de bœuf, de poulet, vivant encore dessus, donc tu les entendais crier. Oh ben non, voilà. Il arrive que moi, je vais faire une blague sur les animaux. Donc, évidemment, les animaux dans la... évidemment, les animaux sur la brochette étaient morts. Hein. Là où est-ce que tu veux être avec Max. C'est toi qui décides, tu te mets là ou là, on s'en fout. En seigneur. Je me suis douché. Tu t'es douché ? Ouais. Bon, je me mets là. Voilà. Allez, oh, isn't she love. Et donc, et donc même la bouffe, la je suis en train de parler, j'ai chopé une insolation dramatique. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais que même la bouffe, ça a plus le même goût. Tu vois ? Alors ouais, ça te fume de partout. J'étais passé chez le boucher, j'avais fait des cocktails au Prosecco pour ma cousine, pour ses amis, ça et tout. En fait, j'ai pas bu, j'ai à peine mangé. Ça m'a niqué mon samedi et mon dimanche. Donc, fin de parcours d'une semaine extraordinaire, assez terrible entre la fatigue du festival, la fatigue de l'aller-retour, la fatigue après de l'insolation. Je te peux garantir que dimanche soir, je suis arrivé chez moi, j'étais bien content d'être dans mon bed. Jiraya, déjà bienvenue. Mais merci. Tu sors d'un petit tournage, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'y étais ce matin. Le piqueur vient d'évoluer. C'était, j'avoue, là, le trio piqueur. Ça y est, trio piqueur directement. C'est magnifique. On a tous les reflets du studio. Là, je suis ébloui. T'as déjà eu une insolation ou un coup de soleil sur le crâne? En fait, moi, j'ai jamais eu de coup de soleil à la base, que j'expliquais. Et depuis que je suis chauve, j'ai eu mon premier coup de soleil. C'était sur le crâne, quoi. Que je t'ai entendu parler de voilà, j'ai eu un peu ça à un moment, le crâne de Voldemort, mais j'ai un peu ça. C'est le soleil du coup. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est le début. Après, ta peau va s'adapter. C'est ça, exactement. Parce que là, en fait, t'es pas habitué, ton cuir chevelu n'est pas encore. Là, il comprend pas ce qui lui arrive. C'est comme quand tu rases au rasoir les premières fois, c'est très sensible. Ouais, ouais. Et après, ta peau, regarde, ça, c'est du béton. Je répète que l'émission spéciale chauve qu'on fera sûrement un jour avec nos amis Pepe Garcia et Zulu. Eh bien, sera utile pour pouvoir dire attention, si vous faites ça, il y a ça, il y a moi, ça. Je veux bien la faire, cette émission, mais je veux être au conduc. Parce que si c'est pour juste aligner 5 chauves et qu'on ressemble au cul, tu vois, ça me plaît pas. Non, ça, c'est vrai, c'est pas ce projet. Moi, c'était pas le projet. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, on peut vite retomber sur des mèmes un peu bizarres, des trucs et tout. Moi, je veux pas ça. Non, il y avait un vrai. On est des gens gentils, on est là pour rigoler. C'est un vrai bail. Voilà, d'accord. Ouais. On va pas venir en ranger, c'est en tri. Hein. T'imagines ? On n'appartient pas à ces gens-là. Les blousons, on n'a pas de cheveux, c'est pas notre faute. Les blousons. C'est une maladie. Exactement, on n'a pas choisi de se maladiser avec le crâne. Comme dans la haine. Voilà. C'est une maladie, sachez-le, avant tout, qu'on accepte, avec laquelle on vit bien, qui nous rend même plus beau que ce qu'on était, c'est vrai. Mais c'est une maladie quand même. Ce n'est pas un choix. Voilà. Mais quand tu vas te protéger en gardant un peu de style, il faut que tu trouves le couvre-chef adapté à ton faciès. Tu vas chez Asos, tu prends entre casquette, bob, chapeau. Tu prends chapeau. Des bobs un peu, toi. T'es un mec à bob. Toi, t'es bob. J'ai une tête à bob. Non, j'ai pas trop une gueule à casquette. Alors, les casquettes, ça me va pas du tout. C'est pour ça que je les mets à l'envers tout le temps. Et les bobs, les chapeaux. On arrive pour trouver ma photo avec le chapeau. Comme ça. Catastrophique. Erwan pourra. T'étais à Porto au Dominicain là. En fait, ce qui s'est passé, donc j'étais à l'extérieur. Moi, je sors pas, donc j'ai pas de problème comme ça. Et du coup, j'ai pas pris ma casquette. Je suis un connard. Trop beau. Ça, c'est BG. Voilà. Ben, on va donc il y a ça. Le groupe. Et après, il y a moi avec un chapeau. Je pense dans moins de 30 secondes. Pop, Marie chapeau, et la bosse. Ouais. Bref. Et donc, du coup, j'ai dû trouver ce que j'ai pu là-bas. Mais non, c'est pas ça. Là. Ça pardon. Putain, Toy Story. S-word. Non, c'est pas ça. Rôle de licorne. Il y a 3 jours. Donc en fait, j'ai pris un chapeau qu'il y avait sur le festival là-bas. Et du coup, alors ça fait un petit peu une pub au festival, mais je ne sais pas. Surtout qu'il était beaucoup trop petit. Mais oui, toi tu conseilles Asos, tu prends tous les trucs qui existent, comme ça tu essayes tout et tu renvoies ce que tu n'as pas. Tu regardes ce qui te plaît déjà et puis tu essayes. Ouais. Puis c'est vrai qu'avec Asos, tu peux renvoyer assez facilement, mais nous on s'était acheté plein de lunettes. Mais les chapeaux, c'est important, ça, Thomas. Ben voilà, il est bien son chapeau. Ah oui. Il était vraiment trop petit. Il a tenté un truc sur l'angle. C'était ce week-end, ça. C'était, je mettais mes pieds au bord du Mississippi. Je me disais que c'était dans une bonne ambiance. Ouais. On va pouvoir continuer cette émission. On était sur le week-end d'Erwan. Qui on n'a pas vu encore là ? Nanix ? Oh là là, il est revenu de l'avion celui-là ? Ouais. Alors, putain. Ce matin, moi ou Gigi ? Ah bah Gigi était là hier. Ok. Ah non, t'étais pas. Mais non. Mais j'ai pas eu un très bon week-end donc. On va se concentrer sur son week-end. Ouais, bah week-end. Donc, déjà week-end de mes 30 balais. Mais non, ça devrait donner au moins 37. Bah ouais, voire 10 de plus. Non, c'était mon anniversaire ce week-end, donc évidemment, ça ça a régalé. Tu crois du Péki. Exactement. Tu les fais pas. T'inquiète pas, j'ai dupé tout le monde sur place. Hein,
Personne ne donne plus de 30 ans et ça, ça rien. Un seul mec a trouvé. Toi, tu sais que. Tu traînes avec des adultes aussi. Ouais. Ça serait différent. Oh non. Sache. Pas de ça chez nous. Une personne de ta génération. C'est quoi ma génération? Sa génération. Je suis très sensible, comment on a. Sa génération, c'est ta génération. Il est plus jeune, il est plus jeune que toi. C'est de quelques mois. Il est plus jeune que toi. Moi, j'ai 26 ans, je sais pas de quoi tu parles. De quelques mois. De quelques mois. Non, mais un seul mec au monde a trouvé mon âge du premier coup, sans connaître ma vie. Voilà, aucun détail. Il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit, ok, t'attends. T'es dégoûté. T'es habillé? Oui, j'étais habillé. Oh la question, à l'enfer. On peut deviner plus ou moins que le corps aussi. Oui, ça peut aider. Ouais, ça peut aider. C'est ton réflexe. Merci pour ton réflexe du t'étais habillé me fume. Continue. Je suis parti en Guadeloupe parce que pour la deuxième année consécutive, j'ai été invité par la communauté Guadeloupe à participer à ce qu'on appelle les Giga Games. Donc du coup, c'est un gros rassemblement e-sportif dans l'archipel des Caraïbes. C'est la Guadeloupe qui reçoit. Alors déjà, j'ai failli surtout pas partir cette année parce que vous le savez, semaine dernière, milieu de semaine, il y avait des grèves. Donc du coup, une heure pour avoir un Uber, tu pars à Orly, la sauce, plus de deux heures pour y aller, donc déjà j'ai raté mon vol le mercredi, il faut le savoir. C'est combien d'heures de vol? C'est 8 heures. C'est 8 heures. Oh, c'est 8 heures. Va, 8 heures. Du coup, j'ai pu modifier mon billet, je suis reparti le lendemain, jusque-là tout va bien. J'arrive le lendemain à la frame vraiment, donc du coup c'est bon, on me laisse passer, enregistrement et tout. Je pose mon bagage et là on me dit, excusez-moi... Est-ce que vous pouvez me montrer votre schéma vaccinal complet? Pas de problème, pas de souci, je veux l'application anti-Covid, bug de l'appli. Et je n'étais pas le seul à l'aéroport à avoir un bug d'appli. Ouais. Donc le manager de la compagnie qui me dit, écoutez, c'est simple, il est 9h20, à 9h40, si vous ne m'avez pas prouvé que vous avez votre passe vaccinal complet, l'avion part sans vous. 9h40, je n'avais toujours pas pu prouver que j'avais le schéma vaccinal, j'ai re-raté l'avion. J'ai dû prendre celui, après j'ai pu régler le problème, etc., parce qu'on m'a envoyé tu sais que tu prends l'application Amélie, ouais, et t'as ton écoute, c'était une galère, j'avais me rappelé plus de mon numéro de sécu, j'avais pas ma carte vitale avec moi, bref, c'était la merde, quoi. Donc je descends pour faire un test PCR, ma nana me renvoie mon numéro de carte vitale avec mon compte Amélie, je peux retélécharger le truc, nickel, ça remarche. Je prends le vol de 14h, du coup j'arrive enfin sur place. Donc tout va bien, et après se passe du coup l'événement qui a duré deux jours, du vendredi au samedi, et qui était associé au premier jeu de la Caraïbe. Donc en fait c'est t'as Porto Rico, Saint-Martin, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Porto Rico qui sont réunis, la Jamaïque qui était présente également, qui sont réunis pour disputer des espèces d'Olympiades des Caraïbes du coup. Et à côté de ça, il y avait du coup une vibe olympique, parce que le comité olympique caribéen du coup attribuait des médailles aux différentes nations qui avaient remporté des compétitions. Et de l'autre côté, il y avait l'e-sport. Et donc l'e-sport était associé à cet événement-là. Les médailles qui étaient gagnées en e-sport ne comptaient pas au tableau final, mais en tout cas, les e-sportifs repartaient avec des médailles, etc. Donc il y avait pas mal de jeux. Tu avais Windjammers 2, tu avais Tekken, tu avais Smash, tu avais Just Dance. T'avais Tekken, t'avais Street. Pour les footeux, il y avait eFootball et FIFA. Bon, il y aurait pu avoir une B2K, mais pas une B2K, dommage, parce que en plus, j'ai commenté les parties sur eFootball et FIFA. J'aurais bien et Smash, du coup, j'aurais bien commenté du NBA 2K. Mais c'était plutôt cool. Bon, ça s'est passé dans une sorte de gymnase, hein, là-bas, sur place, dans la ville des Abîmes. Hein. Et d'ailleurs, au passage, j'ai des petites parenthèses. Il faut savoir que le stream et le récap est très regardé là-bas. Ah, bon, les très très regardé là-bas, donc voilà, donc ils vous envoient évidemment plein de bonnes choses de là-bas, ils adorent les émissions de stream, faut le savoir. Et donc du coup, bref, là-bas sur place, il y avait association donc du vrai sport et de l'e-sport, il y avait du netball. Tu dois connaître le netball. C'est quoi ça? Dérivé du basket en 7 contre 7 où il y a pas de dribble. Tu ne peux pas marcher avec la balle. Il y a pas de planche. Ouais, il n'y a pas de planche. C'est des paniers de basket un peu surélevés. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu dois garder la balle 3 secondes. C'est très dur à comprendre. Il y avait une vidéo qui était sortie, c'était en Australie, où les filles, en fait, elles marquent le panier, elles récupèrent la balle, elles marquent. Les autres, elles les laissent faire. Elles célèbrent. En fait, il n'y a pas de contact. C'est-à-dire que tu peux bloquer, mais tu ne peux pas taper dans la main de quelqu'un ou venir la bousculer au niveau du. Voilà, c'est assez particulier. Donc, il y avait ça dans le gymnase. Et de l'autre côté, t'avais l'histoire. Guadeloupe, terre de basketteurs, comme ça, ils jouent à ça? Ouais. Oui, ils jouent à ça. On a senti que t'étais vraiment. La Guadeloupe, c'est quand même une terre de Ah, mais ils ont pas le droit d'avancer basket, en fait. Tu dépasses. En gros, il n'y a pas le droit de dribbler et comme tu ne dribbles pas, tu ne peux pas marcher. Pourquoi qu'elle aura 3 pas, j'ai l'impression qu'elle a marché. Non, c'est pas une question de 3 passes. Tu peux la garder 3 secondes surtout, la balle.
Pas plus de 3 secondes. Attends, okay. Tu la libères. Oh, famille. Donc la meuf, elle est grande, elle a juste à faire ça. Et... Ouais, je pense que ça va être un peu plus complexe. Je suis un peu de respect pour le vrai sport, Maxime Dan. Dit-il alors. Ça fait bizarre sans le panneau, ça fait bizarre. Puis non, mais en fait, j'ai jamais compris. Putain, c'est chaud. Surtout le fait qu'elle se déplace quasiment. Enfin, sans le ballon, elle bouge, mais avec la balle, tu ne te déplaces pas. C'est totalement bizarre. Hop, en fait, t'es toujours en position arrêtée, quoi. On te fait la passe, tu t'arrêtes. Je crois que t'as le droit à un mouvement avec le ballon un seul. Dunker, j'imagine. Ah, j'ai jamais vu de dunk. J'ai regardé deux matchs. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas le droit de sauter. Elles n'ont pas le droit de décoller les deux pieds du sol. Ah, carrément. Et t'as pas le droit. Chaque fois que t'as shooté, c'est littéralement celle qui est en position de shoot, lever juste les bras et. Tu peux pas faire un pas. Pas un. Bah, je crois que de ce que j'ai vu, genre tu peux. Au moment où tu captes la balle, t'as le droit à un mouvement. Ouais, pour accompagner. Mais genre un marche juste une fois, un pas. Ouais, j'ai un pied, mais pas les deux. Voilà. Donc tu peux pas sauter. Donc pas de marcher, pas de course, etc. Ah ouais. Bref, donc j'ai vu ce sport-là, j'ai découvert ce sport. Enfin, j'essaie en tout cas d'en comprendre un petit peu les règles et c'était cool parce que du coup t'avais les supportrices et les joueuses jamaïcaines qui étaient là qui mettaient un petit peu de l'ambiance et du coup j'étais là aussi pour bosser déjà pour pouvoir en parler dans le récap et dans le lunch play pour un petit reportage à faire sur place. Mais oui, tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que c'était des vacances ou pas? Évidemment que j'ai profité du temps. Alors à ma mauvaise déjà t'es resté combien de temps? Je devais arriver mercredi après-midi. Je suis arrivé jeudi soir et je suis rentré ce matin. Une semaine. Donc, un peu moins d'une semaine. Et la compétition durait. C'était vendredi, samedi. Oui, donc ça va, t'as kiffé un peu. Dimanche, piscine, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Vous inquiétez même pas. Bon, ouais, boulot, mais boulot. L'argent. Ah, un petit peu de boulot. Mais du coup, ma grosse surprise, c'est que la dernière fois, alors j'étais déjà invité l'année dernière, j'étais resté quelques jours. Les grosses, grandes vacances que j'avais faites là-bas, c'était 2015. Généralement, moi, je pars toujours début août, mi-août. C'est la bonne période, parce que mi-août, fin août, c'est la période des cyclones, des pressions tropicales, etc. Moi, j'aime bien. Là, j'ai découvert ça que change. Désormais... Ça fait prendre des douches. Voilà. Ça rafraîchit. T'économises de l'eau. Écoute, t'as pas de petites économies. Ça fait deux années que je pars à cette période de l'année. Il pleut genre de ouf. T'arrives, t'as chaud et tout. En plus, pour les coups de soleil, je te raconte pas, etc. Moi, j'en prends jamais. Mais bon, c'est que tu peux en prendre des bien vicieux, même si t'as des nuages gris. Et en fait, je me dis, mais attends, mais ça fait des années de suite que je pars, il pleut, il vite fait, il y a un peu de soleil, pour faire des photos, c'est pas ouf. En plus, les gens, ils se foutent de ta gueule. T'es en Guadeloupe, c'est quoi ces nuages, ça fait pas beau. Et en réalité, on m'a dit, ouais, bah maintenant, la période des dépressions tropicales, a priori, c'est début juillet. Donc, déjà, ça régalait moins. Je crois que je t'ai mis un petit tweet, ma chère Marie. Donc, du coup, j'étais avec un collègue qui ne connaissait pas la bouffe sur place, donc qui m'a tanné tout le temps pour qu'on aille dans un resto. Et du coup, on a mangé local. Petites frites maison, ça c'est pas local, hein. Frites, c'est des frites, petit pavé de dorade avec la petite sauce créole que vous ne voyez pas mais qui est un petit peu répandue, évidemment, les acras, les acras, la sauce créole qui est là, juste ici, ça, ça lieu dinguerie, Marie, j'aime bien que tu reviennes sur l'image juste avant, s'il te plaît, voilà, les acras de morue, les rillettes de poisson et le tartare de poisson, je peux vous dire, je me suis régalé. Comme tu nous fais une petite dégustation la dernière fois là. Bientôt. Oh là là là. Avec. Ah bah carrément. Avec. La dernière dégustation qu'on a eue, c'était des patates tartinées. Donc si tu pouvais venir avec un peu de. Mais non, quand on avait. Pas là, toi. T'étais pas là, ils nous avaient régalé là. J'avais régalé. Ah non, mec. Moi j'ai eu le coca et. Il avait ramené des acras de Maurice, c'était trop. Ah ouais. Ils nous avaient régalé. Je me suis engagé, si je reviens, poulet boucané. Pourquoi ? Pour le quoi ? Si je reviens faire une dégustation créole, c'est poulet boucané du coup. Ah d'accord. Ah, boucané. Ok. Poulet boucané, oui, t'avais compris quoi ? Bah, j'ai rien compris moi. Ok, non mais c'est poulet boucané, d'accord. Poulet boucané. C'est quoi ? Bah, c'est le poulet de là-bas. Le poulet, d'accord. il est frit avec une petite sauce qui va bien. Un mardi. Un mardi, du coup. Et donc, petit ponche pour démarrer. Bah voilà. Ouvrir ton chakra. Là, voilà. On parle. Là, on voilà. Petit ponche pour ouvrir ton chakra. Petit ponche pour évidemment encore l'ouvrir et te permettre de bien digérer à la fin. Bref, niveau bouffe, ça a été une régalade. Niveau temps, un peu déçu. Bon, niveau chaleur, mec, c'était trop. Enfin, combien ? Bah, en fait, tu démarres la journée. En fait, il fait le même temps la nuit que le matin. Donc on va dire que la nuit, il va faire du 27 degrés, tu démarres à 26-27, ça égale pas du tout, et ça peut monter à des 32-34, t'es bien ça quoi. Ça va. Non, ça va pas. En fait, tu rigoles. Je me suis tapé un Hellfest à 40, oui, non, mais... 32, c'est... Non, mais... il fait froid. Ça, je te parle après, de la température sur le mercure, après, elle ressentit, mec, sur place. Ouais. Et même, en fait, le 27 degrés la nuit, il fait mal. C'est pas humide, il fait pas humide, il fait humide, non, il fait genre... Il peut faire super humide. Il peut faire humide de fou. En plus, anecdote réelle, dans la chambre où on était, donc résidence appart-hôtel, on arrive... La télécommande de la clim, juste tu peux l'allumer et l'éteindre, tu peux pas la régler quoi. Donc mon pote là, tu peux l'allumer, qui essaye, qui va choper une télécommande dans la chambre d'à côté,
il règle mal le truc. On était en humidificateur, je vais arriver, d'air, et pas du tout en mode ventilo. Première nuit, je le réveille à 3 du matin, je fais « Frérot, je vais décéder. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. On va réveiller les autres à côté, je vais mourir. » Première nuit, la clim ne marche pas. Deuxième nuit, la clim ne marche toujours pas. Je me rappelle un hôtel. Et t'es pas sur une île où tu peux te permettre de laisser les fenêtres bêtement ouvertes, égale moustique. Oui. On était en rez-de-chaussée, toutes les espèces de voilà, toutes les espèces de bêtes du sol. Donc tu vois les cafards volants, etc. T'as pas envie de voir ça. T'as pas envie d'être réveillé par ça en fait, littéralement. Les scolopans, donc les gros mille pattes, qui sont très dangereux au passage. Faut faire attention, etc. Aux piqûres, donc t'évites de laisser. Je donne tout. Les bienfaits et les dangers de partir là. Mais non, je donne tout. Cherche un voyage pour moi d'août là. Je vous donne tout. Les mille avec Jumanji en fait. Les bienfaits et les méfaits, mais bien sûr, bien sûr. Au bout du troisième jour, la clim enfin fonctionne. Ça régale. Et ouais, une espèce de chaleur un peu moins. Au bout du troisième jour, voilà, la clim fonctionne. Et le plaisir. En avion. Ça, chez toi. Oh. Ça, c'est le scolopendre. Il y en a dans le Seigneur des Anneaux. Dans ta chambre, tu pètes en plein. Anecdote. Je préfère ça quand ils sont petits, tu peux les écraser avec une claquette, pas de problème, ça meurt. Quand ils sont grands, claquette, basket, tu les assommes, tu ne les tues pas. Et en fait, il y a une technique, c'est que tu es censé les couper en deux pour les tuer. Sauf que si tu le coupes en deux, bah hop, ils divisent. C'est l'hydre. Non, mais gros, c'est un film d'horreur. Vraiment, du coup, faut faire quoi ? Faut les brûler ? Ouais, en fait, il faut les. Lance-flammes. Tu les accroches, tu les plantes. On parle d'un pas, certes, gros, il parle de lance-flammes. Et derrière, il est dans d'une. C'est dans d'une, mec. Au briquet, t'as. Dangereux personnage. Non, vraiment, si tu peux, tu les brûles. Attends, mec, c'est pas. Il est pas chaud. T'as pas de poids, mais tout de poids. Non, avec une basket, parce que, en fait. Un coup de marteau dans sa mère. Oui, un coup de marteau, mais avec une basket, mec, ça ne suffit pas, mec, la meilleure force du monde. Un coup de marteau. Tu vas l'assommer pour le tuer avec une basket, vas-y, gros. Avec des Rangers, ouais. Avec des baskets. Tu peux, mais il va te soulever. Niquez-vous. Après, ça te fait des rollers. T'es comme ça. Oh putain, que ça. Donc, bilan. Un petit peu de vacances. Jamais j'y vais. Un peu de taf. Mais bilan, jamais t'y vas. Bien sûr que t'y vas. C'est trop bien là-bas, mec. Bien sûr que t'y vas. Ton discours à l'aéroport m'a fait fuir. Dans un premier temps. Et ça, c'est une anecdote. Ça arrive. C'est en France. Ah, toi. Ouais. Mec, je ne dis pas qu'en plus de ne pas aimer la bouffe, tu n'aimes pas les voyages. Non, lui, ah, si, bah, il n'aime pas. Il veut juste il rester chez lui. Il déteste les voyages. T'aimes pas la vie ? Non, mais Rof, t'aimes pas la vie. J'aime ma vie, j'aime pas la vie. Non, mais j'aime pas la vie que les moutons aiment bien. Qui tue, jeune homme ? Mais t'aimes pas la vie. Démon ? J'aime pas. L'avion me dérange pas. C'est quoi alors ? C'est tout le processus ? C'est le fait de ne pas être chez moi, en fait, tout simplement. C'est ça. Ah ouais. Je sens qu'on va encore avoir un grand moment. Il a le droit, il a le droit. Je peux rien faire pour toi, du coup. Donc, non, mais vraiment, il fait beau là-bas. Qu'est-ce que tu as prévu ? Oui. Ah, Final Fantasy 14. Final Fantasy 14. Il voilà. Quand même. J'imagine que tu as envie de caler des vacances sympas. Chez sa grand-mère. L'année dernière, on devait aller à la plage. Ma grand-mère a une petite bicoque en Bretagne. Très bien. D'accord. Ouais. Je regarde la météo avant de partir. Je vois qu'il ne fait pas très beau. J'ai dit, on annule. Mais c'est la Bretagne, en fait. C'est... Oui, mais, ah, mais c'était plein août. Plein août. Il faisait genre 20 degrés nuageux. J'ai fait, j'y vais. Alors. Moi, je suis né là-bas, tu sais. Donc, j'ai eu ma grand-mère pendant des années. J'ai fait beaucoup d'été en Bretagne. Mm. Quand tu es au bord de la plage en Bretagne, même s'il fait un peu gris et pas très beau, les plages sont magnifiques. Ouais. Tu soulèves des cailloux, il y a des petits crabes. Ouais. C'est des souvenirs pour un enfant que j'ai été fantastique. Tu peux pas juste dire la météo, allez, hop, c'est dommage. Voilà, il soulève, ouais. La Bretagne, c'est magnifique. On va essayer d'y retourner là, parce qu'effectivement, Côte d'Armor, moi j'étais. Alors, moi, je suis un mec du Finistère, d'accord. Mais c'est pas grave, c'est beau là-bas. C'est pas grave. Mais effectivement, franchement. Et les pieds dans l'eau, les grandes plages avec les marées, les marées hautes, marées basses. C'est génial. Les pieds dans l'eau, tu les as pas beaucoup, quoi. Grand âge. Se barre. Non, mais c'est sympa. Non, mais en vrai. En vrai, moi, j'aime bien. Pour le rejoindre. Non, mais si. La plage, ça me. Attendez, il y a plage et plage. Oui. T'as les plages, le Prado à Marseille, tu vois. T'as les plages du sud-est qui sont assez. Les plages privées où tout le monde était un peu les uns sur les autres et tout. Ah oui. Les plages de l'ouest, pour le coup, elles sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus d'espace, les moins les uns sur les autres. Ah, bah ça, il y a de l'espace. Et les plages en Bretagne, je dis la marée de marée basse, c'est magnifique à voir. Je connais, mais Max. Le sable, quel enfer. Max, je te mets en Guadeloupe. Plage de sable flanc, tu vas dire non ? Eau claire. Il y a rien de mieux qu'une putain de piscine. Ouais, je suis d'accord avec Max, putain. On va à quoi boulevard ? À quoi boulevard ? Tu cites le pire truc regarde, de tous les temps. J'avais les deux, piscine et plage. Je suis pas allé à la plage, pas parce que j'avais la flemme,
Parce qu'en fait, t'as un phénomène, ce qu'on appelle les sargasses là-bas. En gros, il y avait, à cause du vent et de la dépression tropicale, toutes les algues et toutes les saletés un petit peu quel plaisir. Sont revenues. Donc, on est parti à la marina de Saint-François pour bouffer. Qui va. On regarde les bateaux. En fait, les bateaux, tout autour, t'avais des algues dégueulasses, ça puait la mort, etc. Et sur certaines plages, t'avais ce phénomène-là. Stylé, donc là, tu vas pas à la plage, c'est normal. Mais si t'as le choix, piscine, non, mais, c'est cool. Ah bah là, mais la piscine, oui, là, la piscine. Là, il y a plage et plage. Bah ma couille, moi cet été, je vais en Thaïlande. Crois-moi que je vais t'envoyer des photos. Je suis d'accord. Je suis allé sur des plages du Vietnam. Mais attends, qui était mais sublimissime et au moins il y avait chaud. Tu vas à Biarritz, tu vas en Corse, tu as les Calanques, tout c'est magnifique. Tu vas en Bretagne, dans le sud-ouest, tout la côte ouest, c'est magnifique. La Corse, peut-être. Non, mais les Calanques à Marseille. Erwan. Non, mais il est malade celui-là. Si. Les Calanques de Morgiou. Est-ce que l'eau est assez chaude? Les Calanques de Morgiou, ouais, mais au bout d'un moment, si tu vas à Chacouzi, on va dans les Calanques. Erwan, oui. Erwan, Saint-Jean-Luz. Alors, il n'y a pas de vague, mais c'est très joli. Oui, il n'y a pas de vague. C'est donc, mais faut rigoler, en France, on a tout ce qu'il faut. Si tu vas à la Ciotat, t'as les calanques du Bugel. Mais oui, mais. Attention, Cassis, j'ai pas dit la France, quel enfer. J'ai dit. Les calanques de Cassis, c'est dit, j'aime pas la plage. Les calanques de Cassis, là, c'est la mer, elle est bleue comme ça. La plage de Dé en bas. Les calanques de Cassis. Va, tu t'es dans l'eau, là, comme ça, t'as incroyable, quelle vie. Seul sur le sable. Ouais. Les pieds dans l'eau. Moi, j'ai grandi dans le sud, j'avoue que la mer, ça me cassait les couilles à la fin. Ah, merci. Après, non mais ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi aussi, j'ai grandi à Cherbourg. La mer, je la connais. Mais la mer, j'en ai tellement bouffé. Mais moi, ma fille adore la mer. Là, dimanche, on est une petite plage à Montargis. Elle est kiffée parce qu'il y avait du sable et de l'eau et ça me va, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as des belles mers, d'accord. Mais ça, c'est les calanques. Je sais pas où c'est. Ça doit être dans le Var ou Marseille. On est d'accord. Ce n'est pas une plage. Je dis juste, j'aime pas le sable. Là, il y a pas de sable, je suis heureux. Mais très bien, mais tu as Colombe. Je suis pas un mec difficile. T'as Colombe du choix. La Croatie aussi pour des plages de très haut niveau. Ah ouais. Et pareil, il y a pas de sable, il y a plein de trucs sur un. Croatie, Grèce, Corse, tout ça, j'aimerais faire, jamais fait. Corse, c'est magnifique. Corse, c'est Marseille, c'est les mêmes délires. Hein, oui, ben, j'ai pas fait. Magnifique. Moi, j'ai fait en Italie à Ischia, à côté de Capri et tout. C'était des vraies plages de zinzin. Mais après, c'était des plages privées où tu payes. Donc il y a aussi ce truc là de c'est pas ouvert à tout le monde, faut y aller. Putain, lui il me désole, hein, je suis en train de voir des trucs. J'envoie un truc à Marie, je vais vous montrer ma plage préférée. C'est préparez-vous mentalement. Je t'ai mis ça dans Bonjour et Tour de Table, Marie. C'est quoi, c'est ta putain de baignoire? Non, ne dis rien, ne spoil je pas. Dis rien, mais elle arrive dans 10 secondes. Si la baignoire, ça nous ferait chaud au cœur quand tu vas voir le si tu me sors une piscine gonflable. Ma plage préférée. Valkyrne Dune, c'est dans FF11, c'est juste après la tête plateau. Mais mec, tu peux te battre contre des clippers. Ouais, je ne vais pas faire le tour là. Sérieux, mais. Là, je préférais, c'est dans un jeu vidéo, j'ai envie de. Sérieux, mais c'est grave. Ça touche beaucoup Erwan, en tout cas. Tu m'as pas sorti les plages, les circuits de plage sur Mario Kart encore. Oui, ça va. J'ai toujours rêvé d'y aller d'ailleurs. Ah oui, bah moi aussi. Si tu veux qu'on termine sur ce sujet, refais-le. On va profiter que tu sois avec Erwan pour te faire saucer la gueule. Ah. Allez-y. Pourquoi tu n'aimes pas voyager? Genre là, parce que la plage, c'est du jeu. Si je te dis demain on va à New York. T'as la plage à New York aussi, hein. Coney Island. Bon, Long Beach et tout. Oui, voilà. La plage en fait, les New Hampton. Si tu me dis, c'est tout payé. Il n'y a pas de. Comment dire? On n'aura aucun embrouille. On n'aura aucune embrouille à, je veux dire, à l'aéroport, etc. Non, mais machin, ça, les embrouilles, c'est que chez Nanix. Hein, oui, mais voilà. Moi, il m'arrive jamais rien. Il y a quand même une chance sur deux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. En gros, si tu me fais tac, et on se retrouve devant la plage de New York. Ah, mais ça n'existe pas, tac. Je ne dis pas. En fait, peut-être que le jour où il y aura la téléportation. T'as forcément un vol de. On va pas se rendre à New York. Après, New York, c'est quoi? C'est 6 heures de vol, ça va? 6 heures de vol, faut compter. Parce qu'en plus, tu peux pas arriver en retard aux aéroports. Oui, bah merci. Mais c'est pas que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver beaucoup en avance. Tu peux arriver en retard à la gare, quoi. Tu t'encares, il y a Louis Fitch, tu joues FF11. Tu parles de la Guadeloupe, mais New York, je te rappelle que quand t'arrives à l'aéroport, t'as tout le service de sécurité à passer, faut que t'expliques pourquoi t'es là, etc. En fait, voilà la vie, ouais, voilà. Donc, les petits contretemps un peu chiants, mais voilà, moi, pour le plaisir, c'est pour lui. Le plaisir, voilà, moi ça me dérange pas. De voir d'autres gens, d'autres cultures. Mais pourquoi je verrais d'autres gens? J'ai des gens magnifiques autour de moi. Oh non, trop facile. On ne tombera pas dans ce piège. J'ai un autre piège. Moi je prends. Et votre bilan carbone dans tout ça? Oh! J'y vais à pied. Bon, ça va, je suis pas en avion. On chie avec. C'est bon. Ouais, je suis pas en avion tous les matins non plus. Super.
C'est le seul argument. L'argent et le temps de l'avion, c'est tout. Ah, oui. En fait, je suis, c'est pas compliqué, les gars. Je me contente de peu. T'aimes pas les contraintes. À partir du moment où je suis bien chez moi ou au bureau avec des potes, tu serais bien là-bas. Je vais pas me faire chier à aller ailleurs. Regarde. Mais découvrir un autre pays, une autre culture, une autre architecture, des, j'en sais rien, des musées, des décors, des bâtiments. Des... Parce qu'autant, je suis pas très plage. Autant. Oui, bah. Oui, des meufs si tu veux. Putain, les six animaux autour de la table, là, quel enfer. Viens nous aider, s'il te plaît. Oui, mais dis-moi. T'aimes bien manger? Ah ouais. Oui, ben t'aimes la bonne bouffe. Mais non, il aime pas. Les fruits de mer, t'aimes ça ou pas? Mais non, c'est pas qui tu parles. Je vais vous dire une seule chose. Vas-y. Je suis allé à Vienne, d'accord, pendant 3-4 jours. À l'époque où, avec ma femme, on rêvait d'aventure, d'accord. Et ben on a mangé au Burger King pendant 3 jours. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai. T'avais raté la discussion sur la bouffe quand on mais c'est mérité. Ah mais t'es irrécupérable, gros. Ouais, bref. Et toi, il fait comme il veut, les différences, c'est pour ça que... Non, mais oui, voilà, c'est ça. Il est juste différent. Cela dit, j'ai envie de te dire que la bouffe, c'est un faux argument, entre guillemets, puisque maintenant, tu peux trouver à peu près de la bouffe de n'importe quel pays dans n'importe quel pays. Tu fais une erreur, là. Si je fais des acras de morue, je peux en bouffer à Paris. Ouais, mais ils seront pas bons. Tous les restos créoles là. Non, je suis en train de dire qu'il y a des très bons restos créoles et d'autres moins bons, mais tu ne mangeras jamais mieux que local. Voilà. Local. Eh ouais. Mais la fin, la vida locale. La vida locale. La fin, on peut pas. Pour aussi bien manger un truc, c'est que ça va te coûter 10 fois le prix de. Tu vois ce que je veux dire? Ten times the price. Ah oui, bah justement, c'est pour ça que le fait de visiter. En même temps, ça ne coûte pas le billet d'avion, donc bon, l'un dans l'autre. Mais bon, ça fait quoi un peu au cœur? Mais c'est vraiment. C'est une page Facebook ou quoi? Je me suis demandé à quoi ça servait. Elle a une petite collection. Elle a une petite collection. Bref, tu es irrécupérable. Il est Est-ce que tu as terminé tes petites excursions? Juste pour dire, petit showcase qui régale. On a le stade des Abîmes, petit showcase pour la clôture, cérémonie de clôture des Jeux de Caraïbes. Colonel Reyes. Admiralty qui débarque, incroyable. Admiralty. Je ne l'avais pas reconnu, puisqu'il a perdu du poids. Et franchement, il nous a mis bien. Et puis voilà, petite piscine, petite pause dans cette saison fort chargée. On revient, j'allais dire, les batteries pleines. Les batteries rechargées. Pas du tout, je suis toujours jet lagué, donc on verra demain. À plat. Et tu m'as dit Layo qui a gagné. Et Layo qui a gagné sur Street Fighter. Layo qui a gagné sur Street, ça c'est bon. Bravo à Lucie, non, regarde. Exactement. On a terminé sur les week-ends alors que les deux sont morts de rire à ma gauche. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais ils ont gris peut-être. C'est une catastrophe. Enfin, nous, on va faire l'émission en moins de 18. Et puis, on pourra vraiment être qui on veut être. Être qui on est. C'est mon rêve. T'inquiète, il y a le react après. Oh oui, c'est quoi dans le react? Du cul. Putain, merde. Allez, on est parti sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux avoir un jingle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bossé aujourd'hui. Hein. J'ai un peu bossé, oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de particulier pour beaucoup d'entre vous, peut-être? Si, les jeunes. Le bac. Il y a eu le bac, effectivement. Bac que tu n'auras jamais. Norman, j'ai... Le bac, je l'ai. C'est le brevet que j'ai pas. Ah, je peux le passer n'importe comment, moi, je chauffe pas. Bref. C'est vrai, t'as passé le bac, mais pas le brevet? T'as sauté un truc? Non. Ah, d'accord, j'ai le brevet. Okay. Il a tout sauté. Pas de sachet. Pas de sachet. Je touche pas à ça. Bon, bah alors, à notre époque. Il y a des tout. Attends. À l'ancienne, quand il n'y avait pas les réseaux, quand on avait le bac, on disait, j'ai eu le bac. Et maintenant, depuis un petit moment, d'ailleurs, c'est pas forcément tout nouveau, eh bien, c'était en top tendance dans les tweets, c'est le fameux ce soir, on va manger du riz. Vous savez d'où ça vient? Non, alors c'est cadeau. Aucune idée. Avec le son. C'est incroyable, madame. J'ai eu zéro. C'est la folie. Il va y avoir le bac. En plus, mon affectation, tout ça. Ça veut dire, là, je suis bien. Là, aujourd'hui, c'est la folie. Ma mère va être contente. Je vais l'appeler. Là, je ne l'ai pas encore appelé. Mon père va être content. Ce soir, on va manger du riz. C'est mignon. C'est trop mignon. Il est au bout de sa joie. Mais ce soir, on va manger. Une forme d'innocence là-dedans qui est très belle. Voilà. Et du coup, évidemment, il y avait beaucoup de. Quand tu voyais ce soir, on va manger du riz chez quelqu'un, c'est qu'il avait eu son bac. Tu l'as eu avec quelle mention? Je l'ai eu avec mention rattrapage x2.
C'est pas mal. Rattrapage. Bon, alors moi, vraiment. Bon, j'étais. Bon, vraiment, excuse-moi. Ah non, c'est mon jour. C'est mon soir. C'est mon soir. Ok. Marie m'a dit qu'on avait du temps à perdre parce que moi, j'ai une histoire sur la première fois que j'ai passé le bac. Je pense que je suis dur à battre. Ok, ok, vas-y. Essaye de battre ça. C'est par la première fois que j'ai passé le bac. J'étais. J'avais un an d'avance. D'accord. Donc j'étais plutôt pas mauvais, en tout cas, primaire, collège. Et là, arrivé en seconde, je m'aperçois qu'il faut bosser. Donc je. Ah bah, bienvenue. Voilà. Et en fait, je fais un bac S quand même, et je le rate de peu la première fois. Et je me dis, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, j'avais un an d'avance. Bac S, ouais. Du coup, la deuxième année, je fais, bon, bah, j'ai pas rien à faire. Pas de rattrapage si, j'ai eu un rattrapage que j'ai pas eu, mais vraiment, genre, pas grand-chose. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Deuxième année, je me dis, bah, tranquille, j'ai déjà fait une année, ça va vraiment passer comme sur des roulettes. Là, j'ai même pas eu le rattrapage. Troisième année, je me dis, bah oui du coup. Attends, t'as fait trois terminales. Troisième année, là je me dis bon, je vais pas refaire deux terminales classiques parce que j'en ai déjà fait. Puis en plus je commence à côtoyer des jeunes filles. Et du coup je me suis dit je vais aller par le CNED. Ah oui. CNED, tu t'envoies des cours, etc. Donc j'envoie deux cours toute l'année. Gros baiser à ma gauche. J'arrive. Attention. J'arrive. Oh, bah. Il n'est pas allé en prison, surtout, il avait 25 ans. Le gamin a zarvé 15. Non, mais voilà, on a jamais du temps libre, quoi. Et du coup, j'arrive, rattrapage, j'arrive devant le dernier truc, et c'est genre, c'est ce qui va me sauver, quoi, tu vois. Et je suis en mode, donc je fais le, je crois que c'était de la SVT, enfin, biologie, et je fais le truc à l'oral, et elle fait, ah, c'est pas vraiment ça, hein. Je suis en mode, putain, j'ai pas envie de le faire une quatrième fois. Ma mère me disait, je te lâche dans la vie avec le permis et le bac. Le permis, je l'ai du premier coup. Le bac, ça veut pas, quoi. Et là, je dis à la prof, je lui dis, écoutez, là, depuis un petit moment, je savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai une caméra à Noël et j'aimerais bien aller dans une fac d'audiovisuel et c'est vrai que c'est maintenant, c'est vraiment ça, mon kiff, quoi. Et la meuf, elle dit, bon, allez, elle m'a mis 14. Mais non. Et du coup, voilà, c'est bon. Et du coup, j'ai pu aller en fac d'audiovisuel. C'est surtout qu'au bout de 3 ans, tu coûtes tellement cher à l'État. on n'en peut plus. Il faut que tu te casses, en fait. Pas mal. Bref. C'est pas mal. Et toi, c'est sur une épreuve. Ah. Alors moi, j'étais un élève moyen. Mm-hmm. Bon, je rentre dans le lycée en général parce que je pars en centre de formation. Donc, je pars de Marseille. Et d'aller en seconde générale, ça arrangeait tout le monde. Élève moyen, c'est genre, t'as 11. Ouais, 11, 12. Sauf en sport, où là, je rayonne. Mais bon, ça serait si t'étais ingénieur avec 18 en sport. Bref, donc j'arrive en terminale, tant bien que mal, en ayant redoublé ma seconde, bref. Et cette terminale-là, je joue à l'époque à Bayonne en National 1, donc c'est en 3e division. J'ai un appart en haut de la Côte des Basques, pour ceux qui connaissent Biarritz, endroit magnifique. Et j'ai un petit duplex à 19 ans. T'as tout ce qui te permet de ne pas bosser, quoi. La vie d'Aloca. T'imagines donc que moi je ne vais plus qu'à l'école. sur cette année-là, j'ai 100 demi-journées d'absence. Tu vois, 100 demi-journées d'absence. Tu sais, j'ai jamais en cours. Ils m'ont même renvoyé de l'école. Je dis, c'est pas à faire. Hein. Ils m'ont renvoyé parce que j'étais, il y avait trop d'absence. Je devais rentrer une semaine, je devais rentrer le lundi, je suis arrivé le mercredi. Ils m'ont dit, bon, ok, t'es récupérable. En plus, ils me disaient, on va convoquer tes parents. Je fais, bah, vas-y, sois à Marseille. Donc, en fait, Et puis, en plus, je joue au basket, j'étais content. Une horrible personne. Je pensais que j'allais en faire mon métier. Un petit con. Un branleur. Et puis, donc, t'as à Biarritz, t'as le duplex, donc il y a du monde qui vient chez toi. Bref, j'arrive au bac. Mais il fallait que j'aie le bac parce que ma mère, quand même, c'est un truc qui me tenait Comment à cœur. Comment tu payais ce duplex? Avec le basket. Ah ouais, bravo. Mais c'était un petit truc, hein. Attends, oui, mais bon. C'était un petit truc de. En bas, j'avais 23 mètres carrés. En haut, il y avait une chambre. Mezzanine, quoi. Ouais. Mezzanine plus. Mezzanine. Mais c'est l'indépendance, ça régale. Et tout. Bah oui, au lycée, c'est pas mal. Et donc, j'arrive et là. Et je voulais. Le jour du bac, je fais moins le Mac, tu vois, je fais moins le malin parce que je me dis, putain, le bac, ce serait bien que je l'ai quand même. Mon frère, qui a deux ans de moins que moi, l'a déjà le bac, tu vois. Mais tous mes cousins l'ont eu et tout. Je fais, putain. Et donc, j'arrive et je me fais croire, tu sais, dans ces trucs-là, que je vais l'avoir le bac en me disant, je vais réviser un peu. Et j'arrive sur une épreuve, donc moi je faisais STT, une étude de cas, et c'est coefficient 8. C'est mieux de l'avoir là, c'est mieux de... 8, étude de cas. J'arrive, faut une calculette, faut une équerre, faut faire des tableaux et tout, j'arrive limite, avec un stylo. C'est limite l'épreuve qui détermine. Wow. J'arrive avec un stylo. Slibar, le mec. Donc j'étais dans le grand réfectoire, donc il y avait tout le monde vers moi, il y avait genre 300 personnes et tout. Et je me mets dans le truc, évidemment je lis le truc, j'ai pas de calculette, j'ai pas de truc, au bout d'un moment je fais aller, et j'attends. Et la femme, elle fait, bon, écoutez, au bout d'une heure, elle fait, écoutez, en plus, je suis à Beautrette, donc je suis de premier rang, à BA. Évidemment. Et donc elle dit, bon, je vous le dis quand même, parce que je dois le dire, mais j'imagine que personne ne va se lever. Ça fait une heure, ceux qui veulent partir peuvent partir. Merci, au revoir. Et là, je me lève, mon gars. Et là, je prends mes affaires, là, tout le monde me dit, vous êtes sûr, monsieur? Oh, ouais. Hop, je rends ma feuille, je vais pas rester 3 heures, là, je ne peux rien faire. Ouais. Je suis parti, j'ai traversé, je regardais tous les gens, je traverse toute la pièce, les gens me regardaient. Ta vie a défilé. Je suis arrivé, j'ai eu deux.
2 pour représenter. Pour, je pense, parce que t'as mis ton nom, ouais, quoi. J'ai mis mon nom et bien payé. 2 coefficients sur 8, j'ai eu 4,63 de moyenne générale la première année au bac. Wow. Et je disais, mais pas alors que c'est pas comment. Je fais, ah, peut-être de rattrapage. 4,63. Bon, l'année après, je l'ai repassé dans des conditions bien meilleures en le préparant et j'ai eu le bac. J'ai frôlé la mention, on est en 11,75, un truc comme ça. Mais la première année, honteux comportement. J'ai la honte. Donc voilà. Et je te dis, j'ai eu 4,73. Bah après, j'ai 11 demi-journées d'absence, je n'allais jamais à l'école. Messieurs, c'est le moment d'être des cancres. Si vous vous êtes fait virer d'un lycée, d'un collège, c'est le moment de raconter. Bon, moi, je les bats tous. Viré deux fois raté le brevet. Deux fois le brevet, c'est chaud. Allez, et la table, je vois un abruti fini. T'as vu comme je suis comme ça en plus. Oh là 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 là. Bah si. Ceci dit, bon, non, mais parce que c'est un exploit. Pour contrebalancer le truc, mine de rien, parce qu'on est là à faire les malins, parce qu'aujourd'hui, on s'en est quand même sorti chacun d'un autre manière différente. Le brevet. Comme quoi, c'est le brevet. Avoir le bac, heureusement que je l'ai eu, parce que quand j'ai voulu faire des trucs après, quand je me suis rendu compte que t'as 20 piges, que t'as envie de faire des trucs, que tu commences à t'intéresser au journalisme, que tu veux faire des formations. Ah, ouais, bah oui. Mon gars, si t'as pas le bac, ah, t'es obligé, bah, tu peux rien t'as faire. Rien du tout. Ouais, t'as c'est rien sûr. Du tout. Et donc, je me dis, bah, et puis finalement, tu. Et puis même, il y a des trucs que t'apprends pendant le lycée, que tu dois maîtriser en sortant du lycée. Et si tu les as pas, ben derrière, tu dois tout, tu dois galérer. Tu galères pour faire des choses. Si tu as le bac, ah ouais, de rien, à minima, eh ben ça peut te permettre derrière, quand la lumière arrive, parce que pour certains, elle arrive un peu plus tard. Tout le monde à 16 ans ne peut pas dire « je veux être médecin, je veux être ci, je veux être ça ». Moi, je comprends que les mecs, des fois, à 16 ans, 17, 18, 20 ans, ils disent « ben oui, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je te dise ?» Tout le monde n'a pas la lumière, mais beaucoup toi, d'ailleurs. Tu ne disais pas que tu voulais être journaliste, tu voulais être basketteur. Non, moi, ça arrivait plus tard. Moi, c'est arrivé… moi, je voulais être youtubeur à l'époque. Pas de Squeezie, déjà non, moi, je suis parti à 15 ans de Marseille pour jouer au basket, je voulais être basketteur. Ouais. Toi, c'était ah, mais si t'avais pas eu ton bac, et du mais coup, ça aurait été très compliqué. Et puis moi, quand j'arrive à 26 ans, que je vois que le basket, bon, ben, j'arrive à en vivre, mais que quelque part, je prends pas des 100 et des 1000, qu'il va falloir que je prévoie un après. Quand je me dis que je vais faire une formation de journaliste par correspondance, parce que j'étais à l'époque à Mont-de-Marsan, et que j'avais pas les, pour aller rentrer dans les écoles de journalisme où il fallait payer, j'avais pas les moyens. J'allais passer des concours et j'allais j'avais pas le niveau. Et j'avais pas le niveau. D'ailleurs, c'est de la merde hein, quand tu te rends compte que les concours d'école de journalisme, il faut être un ponte, mais finalement. Bref, c'est une autre histoire. Bref, non mais Marc, finalement, un point important, c'est aussi faire entrer de l'argent. Ça, oui, aussi, j'ai fait une formation par correspondance que j'ai réussi, mais qui m'a ouvert aussi après derrière des conventions de stage où tu vas dans les rédacs. Et puis moi, j'avais un réseau basket pour avoir des interviews. Et tac, tac, des flingues. Mais si j'ai pas eu le bac, je me serais fait faire marrant. T'es débrouillé, chambon. Donc mine de rien, le bac, ou plutôt tu l'as, au mieux c'est. Puis après, tu vois ce qui t'arrive. La vie t'offre des solutions. Comment ça, tu t'es fait virer au collège, du coup? Ah non, bah moi, j'étais pour c'est pas que je fais des conneries, c'est que j'étais vraiment... je travaillais pas, je me suis fait virer deux fois. Deux écoles et... Juste parce que tu travaillais pas? Ouais, une... C'est des écoles un peu au gradé, non? Bah la première c'était école publique, donc comme tu payais pas, bah il y avait pas d'effort. Donc tu sais, des fois tu payes, il fait bon, il est nul, mais on le garde, quoi, tu vois. Et c'est juste après, j'ai raté deux fois le brevet, puis j'ai arrêté en troisième parce que pour faire l'école de musique, là où je suis rentré le premier coup, par contre j'ai eu ma... T'as fait une école de musique? J'ai fait l'American School of Modern Music et j'ai passé le concours, et là j'ai eu le premier coup. J'ai eu la main, quoi, cette fois. La passion a parlé. Et ça, je l'ai fait, truc marrant. Je l'ai fait, alors. Mais alors, j'ai pas bossé d'un iota. Attends, je fais ça. C'est surprenant, hein, ça. Prof américain, tu sais. No shit, Charles. Non, mais t'as pas voulu le promettre. C'est marrant, ça t'es déjà. Non, mais attends, le prof américain, tu sais, en mode lunettes et tout, on filait le truc, il me dit, t'es un bosseur, toi. Oh, gars! You work your ass off. I said yes, sir. Ah ouais, je n'avais rien, fumé, quoi. Mais rien branlé. Puis après, j'ai arrêté. Puis l'histoire est là. On a quand même un beau plateau de mecs qui sont là. Nanik, c'est un bosseur. Nanik, t'étais sérieux, toi? D'être l'intello du groupe, quoi. C'est vrai? Nanik, c'est un bosseur. Toi, bosseur de fou à l'école, jamais une vanne? J'ai redoublé la première parce que je m'étais cassé le poignet et j'étais en mode. Ouais, c'est ça. Les ligaments, je me suis cassé le poignet sur un petit terrain. Tu peux juste dire que c'était un branleur, Non, non, oui. Vraiment. Et en fait, j'avais de l'avance à l'école et j'étais en mode, tu sais, c'est lycée. T'as pris du retard. Par rapport au collège, c'est les nanas. J'étais en L. En L, il y a deux gars pour 29. Tu fumais des roulés? Non. Tu mettais des sarouels? Non, vraiment rien de tout ça. T'écoutais du zaz? On va dire que même physiquement. Il est encore pieds nus. Physiquement, je ne pouvais pas être dans ces délires de fumer, etc. Non, vraiment pas. Oui, Annie! Non! Il est là! C'est faux!
merci, Yep. Chopez-le. C'est faux, ce n'est pas moi. Oui, laisse Yep tranquille. Le cliché, cette société de consommation. Bref, du coup, j'avais redoublé ma première parce qu'en plus, j'étais délégué du foyer. Ça jouait au baby-foot. J'organisais un championnat de baby-foot. Ça jouait au billard. Rien à foutre. J'avais une avance de ouf. Et à la fin, ma prof principale qui me dit, bah en fait, ça va pas le faire, gros, tu vas redoubler ta première. Et je suis en mode, bah rien à foutre. Mais j'ai jamais été viré d'un établissement. Le bac, je l'ai eu, j'ai failli rater la mention, je l'ai eu au final. Ah ouais, la petite anecdote quand même, c'est que c'est la philo, c'est censé être la matière, donc quand t'es en bac littéraire. Oh, un énorme quoi. Avec gros coefficient. Toute l'année, je roule sur la matière. J'ai 17 de moyenne, un truc de ouf. Je pense à des trucs, je vais plus loin que ce que le mec nous demande. Ok, Spinoza. Ok, Spinoza, excuse-nous, hein. Ouais. Quand t'en fais De ouf, tu comme sais. Ça. Ouais, comme ça. Et à l'examen, j'ai pas la moyenne. Mais non. Le crash total, j'ai un 9,5. C'est quoi le sujet? Le joueur d'entraînement. Oh, je me rappelle plus du sujet. Regarde, c'est le joueur d'entraînement, on y revient. Le joueur d'entraînement, c'est ça. Je me rappelle plus du sujet. Et en fait, mon prof me dit, alors, je dis, j'ai pas eu la moyenne. Sérieux? Ah ouais. Et alors, fiston, ça s'est bien passé? Je comprends pas, j'ai 17 de moyenne, 9,5. Bon, ça n'a pas empêché de l'avoir et au final d'avoir la moyenne. GG pour ça. Parce que j'avais cartonné sur les autres matières. L'espagnol, incroyable. Donc plutôt studieux, le Nanix. Wow. Ouais, c'est plutôt studieux. Mais t'as quand même redoublé une classe. Un bosseur, putain. Ouais, enfin, franchement, il n'y en a pas un ici qui a pas redoublé, qui a fait sa scolarité. Merci, au revoir, salut. Oh, genre, vrai, j'ai roulé sur la. Après, il a été en 5ème, ce bâtard. Hein, donc, ça, t'as roulé sur le serveur. Oui, mais madame, on voit où vous êtes, madame bon élève. Madame bon élève. Non, mais je n'ai jamais. Ouais, bon élève, ils sont derrière la cam et les bons élèves, ils sont là. Les produits qui font les cours sur le bureau, d'accord. Les gars, j'ai jamais redoublé. Hein. J'ai même demandé à redoubler et on m'a refusé le redoublement. Mais non, vous êtes trop bon, monsieur. C'est ouais. Passé. Mais toi, t'es bon élève. J'ai fait une seconde easy. Donc, initiation en sciences de l'ingénieur. Quelle matière, ça? Easy, je crois que tu l'avais fait. Ouais, voilà. Moi aussi, je... Main dans le calbar, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, il y a vraiment le collège et le lycée. Oui. Et quand tu passes en seconde, il y a un mur, quoi. Il y a une différence. Ouais, tu passes de genre, j'ai 14-15 de moyenne, je suis OK au collège, pas une scène, mais 14-15, à 9. Ouais. Là, je dis, bizarre, un peu l'ambiance. En maths, j'avais 19 de moyenne à l'année. 8. Donc je me dis, ça divise beaucoup quand même. Et du coup, j'ai pas trop aimé. Et ce qu'on a fait, c'est que je voulais faire une SSI. Et on m'a dit, c'est beaucoup de maths, machin, etc. Donc je suis parti en STU-GE. Et en fait, à l'époque, on avait tous eu ce rendez-vous avec la conseillère d'orientation qui t'oriente où tu veux aller. Mm-hmm. Et du coup, j'ai dit, ouais, j'adore l'informatique. Elle m'a dit, franchement, STU-GE, c'est pour toi. Génie électrotech. Donc le seul truc en informatique qu'on avait, c'était Autodesk Inventor et on modélisait des écrous. J'avais vraiment envie de crever. Hein. Aucun rapport, ça et SolidWorks. Donc rien à voir. Donc je me retrouve là-dedans. Et en fait, je fais mon année de première et bizarrement, en fait, je suis bon dans les matières qui ne me servent à rien dans le français. Pareil, j'arrive en terminale. Frère, terminale, je suis allé 3 fois en philo. J'arrive au bac, légende. J'ai eu 16 ou 17, je crois. C'est lui le vrai 17. 17, ouais, trop trop bien. J'ai vu les lois sont-elles conditions de la liberté. Oui, aussi. Je commence à écrire, je refais la constitution. Lui, c'est un homme de finale, moi, comme à dire. Moi, j'étais un mec de terrain, quoi. À l'année, à chier, et j'arrive à m'en sortir, mais coef 1, donc je peux aller me faire foutre. Dommage. Alors que physique appliquée, oui. Coef 6, ouais. C'est 4. Alors que, voilà, d'orientation. C'était immonde. Et en fait, à la fin de la première, effectivement, je fais mon bac de français parce qu'on avait le bac. C'était que des oraux pour nous en français. Gars, je tombe face à un mec trop sympa. Il me dit, ouais, tu veux quoi comme sujet? Je dis, frère, Seconde Guerre mondiale. Il me donne la Seconde Guerre mondiale. Gars, je donne le pédigré, tout ce qu'il faut. Hitler, il a attaqué là. Le mec en mode, waouh, c'est incroyable ce que tu me dis. Je prends 17 à l'oral, coef 1, je peux me faire foutre aussi. Donc je suis trop bien pour ça. Et donc terminale, ça se passe plutôt mal parce que à la base, moi, je voulais vraiment redoubler. Et mon prof de méca, qui était notre prof principal, il m'avait dit, en vrai, c'est chiant, redouble pas, force-toi, fais ton bac. Et une fois que tu auras ton bac, tu verras qu'avec un bac STGE, tu as quand même pas mal d'écoles que tu peux faire, que tu pourrais pas. Parce que moi, en fait, j'avais un pote, il était en STG. Donc, STG. Je connais, bonjour. Voilà. Parce que moi, nous, on appelait le sieste Transat et Grenadine. Exactement. En fait, c'était vraiment, c'était en mode. Pour rien branler. Et lui, il était là, frère, c'est trop bien, je rentre chez WAM, je travaille une demi-heure, j'ai 19 de moyenne, enfin, c'était n'importe quoi. Et il me faisait rêver, ce bâtard. C'est ça. Et il avait une classe où il y avait des meufs. Oui. Nous, on avait deux classes de GE1, 34 mecs, GE2, 34 personnes, avec deux meufs, mais. Mais qui n'avaient pas dedans. Mais fallait demander la carte d'identité pour vérifier. Et en fait, il y avait l'exact opposé. C'était SMS, sciences médico-sociales, où il y avait 34 meufs, 2 mecs. Enfin bref, c'était légendaire, quoi. Et du coup, je me dis, waouh, le bâtard, sa vie est cool, machin. Et moi, je me fais trop, trop chier.
Et j'ai quand même continué. Et effectivement, j'ai passé mon bac et j'ai réussi à l'avoir, mais au rattrapage. Je suis allé au rattrapage et j'ai pas eu. J'ai un peu le même délire que toi, mais pas trois fois. Parce que moi, je suis arrivé au rattrapage, j'ai pris mathématiques et j'ai pris physique appliquée. Et physique appliquée, j'ai vraiment le cours le plus naze de tout l'univers sur le moteur asynchrone, triphasé, un truc que t'apprends en première et tout. J'étais même moyen capable de comprendre ce que je faisais, mais je le faisais et je mettais de la conviction. Et le mec, je lui ai parlé, je l'ai un peu embrouillé, je lui ai dit frère, enfin, tu vois, s'il te plaît, j'ai quand même un qui marche. Et ouais, en fait, en plus, il était sympa, c'était un petit vieux, etc. Et notre prof principal, je me souviens toute ma vie, c'est que mon prof principal nous avait dit plusieurs fois qu'en gros, le bac, on te le donne. En fait, le bac, il n'y a rien de difficile, on te le donne parce que tu coûtes tellement d'argent à l'éducation nationale par an à un élève, ça coûte cher. Donc, casse-toi. Ce qu'on ne te donne pas, c'est les diplômes après. Donc, tu vas aller à l'école, déjà, il faut que tu te fasses accepter dans ton parcours sup, etc. Mais une fois que le vrai boulot, en fait, le vrai jeu, il commence après le bac, pas avant le bac. Et le gars, il m'a dit, ouais, tu manques combien de points? Il manquait 21 points. Et il m'a mis 13 parce que vraiment, ça s'est vu qu'il y a eu un contact et que c'était un ami. J'ai dit, s'il te plaît. Et en plus, on était partis entre potes. J'avais un pote qui avait une bagnole, lui, parce qu'il venait d'un bac pro, donc il avait un an de retard. Et lui aussi était au rattrapage et on était 5 dans la caisse. Et tu sais, c'est le truc un peu horrible, c'est qu'on est 5, on va tous au rattrapage, on se check, let's go, on peut le faire, vas-y, t'es le meilleur, tu peux le faire et tout. On sort, on attend, on est comme ça devant le tableau, ok, admis. Et il y a un man du groupe qui l'a pas. Et du coup, le retour, on est tous en mode tu. Et t'as un gars au milieu. trop content pour vous, les gars. Et c'était un peu l'ambiance bizarre en retour, mais on a fêté ça, effectivement. Mais le gars, il était en mode ça m'empêchera pas de me mettre une caisse ce soir. Et ouais, c'était un peu bizarre l'ambiance. Mais bon, bref, j'ai réussi à l'avoir, mais j'ai pas redoublé. Et puis après, j'ai fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir. J'ai fait une fac de chinois, donc aucun rapport. Mais ça peut servir, on ne sait jamais. J'étais à Paul Valéry à Montpellier, j'étais en Sarouel, gros. Tout de suite, une photo de Jiraya. C'est bon, on a combien sur le TP là? Catastrophique. Mais ouais, je ne déroge pas à la règle, j'ai redoublé deux fois aussi et même parcours, je suis passé de 16 à 11. Les profs ont fait oula, il va redoubler celui-là. Je fais bah non, 11, je redouble pas. Ma mère a fait si, tu vas redoubler. J'ai redoublé, j'étais un petit peu déçu. Et après, je suis arrivé un peu plus loin au lycée et j'aimais pas le lycée. J'ai découvert aussi, comme toi, Rof, le plaisir des meufs. Et j'ai passé littéralement mon année à baiser et jouer aux jeux vidéo. J'étais jamais en cours. En même temps ou pas? C'est arrivé. C'est pas pareil. Et sacrée rencontre. Je me suis retrouvé à la fin de l'année. Les mecs, c'est en seconde, tu les écoutes. Bon, t'as l'impression qu'ils ont soulevé la moitié du lycée. Comme un guy. On était en seconde. Au pire, t'avais une amoureuse et tu découvrais le début. J'ai baisé toute ma seconde. Arrêtez, on vous colle. Non, mais attends. On l'était en seconde, c'est juste que tu connais pas les meufs en question. Mais ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Toujours est-il que je suis retrouvé à la fin de l'année, il y avait des matières, j'avais pas de moyenne. Allez. Tellement j'y suis pas allé. Ah ouais. Et bah là, c'était compliqué. C'est un terrible message qu'on envoie aux gens qui nous regardent. Allez à l'école, soyez bien meilleurs que nous. Ouais. Oui, soyez de belles personnes. Bah attends, après, comme ça, vous terminez en diplôme, on a fait nos trucs. Après, j'ai fait mes études post-bac, j'ai cartonné, j'étais major de promo, ça va. Ouais, wow, major de promo. C'est ça. Avec Dash. Avec Dash, on a fait premier et deuxième. D'âge de deux ans. Non, pas la vanne, d'âge de deux ans. Non. Mais je sais pas qui c'est. Mais c'est une très belle personne. C'est vrai? Oui. Mais bah, tu sais qui c'est? On va en parler. On va en faire une très belle transition. Puisqu'on parle de Dash, eh bien, on va parler du Z-Event. Attention, un petit jingle. Mais il va pas faire 46 minutes de calme-toi. Bah non, parce qu'après il y a le quiz. C'est vrai. Et c'est voilà. Pour l'instant, on a fait un tweet. Ah putain, il y a le quiz après, donc je me dépêche. On va revenir évidemment sur ce qu'a annoncé Zerator hier soir et les petits dramas que ça a pu engendrer. On va voir où ça a mené. D'abord, je vous propose une petite bande-annonce, évidemment, pour ceux qui étaient dans leur grotte. Je t'en prie, oh. Bande-annonce. Bande-annonce directement. Bande-annonce. En full screen. Incroyable passage sur des millions d'euros, bordel ! Est-ce que vous vous rendez compte ?
septembre, à partir du vendredi 18h. Exactement. Et donc, eh bien, on va voir ce qui en a découlé. D'abord, on va afficher un petit tweet de Zerator avec ce petit qui promet donc un changement de formule pour les prochaines fois. Voilà, dernier événement énorme avant de changer la formule pour un sujet qui nous touche tous. Il est trop important pour être ignoré. Le Z-Event est de retour. Merci à tous de votre confiance. Jusque-là, pas trop de soucis. Tout va bien. Sauf qu'effectivement, eh bien, si jamais on regarde le site officiel, on va leur faire évidemment un petit peu de pub. Au Z-Event, t'inquiète pas, ils n'ont pas besoin de nous. On va leur donner un petit peu de force. Et voilà. Notamment essayer de débunker certaines petites choses qui se sont passées sur les réseaux. Eh bien, puisque quelque chose qui a crevé un petit peu l'écran, même s'il y avait des boss comme Gigi, comme Xari et compagnie, c'est le manque de certains streamers qui étaient là donc les autres années et qui ont mis le feu notamment. Tu vas pouvoir balancer le tweet de nombre, nombreux... Je pondère qui étaient là les une ou deux bien années sûr, précédentes. Justement, ça n'existe pas depuis hier. On va y venir. Oui, c'est vrai qu'en fait, avec Avenger, hein, en gros, l'année dernière, il y a eu un record exceptionnel de plus de 10 millions. Voilà, et donc, avec des gens qui ont mis le feu parmi d'autres, et en tout cas, ces gens-là, qui sont quand même des gros streamers, ne sont pas présents. Tu vas pouvoir balancer le petit tweet. Voilà, Savas, Puer, sa mère, le Z-Event 2022. On n'aura pas le droit à ça, quel dommage. Et effectivement, sur toute cette image, eh bien, il ne reste plus que Dwag. Le Bouzeux et Dwag. Voilà. Mais donc pas de Nichou, pas d'Inox, pas de Gotha, pas d'Amine. Tout ça, côté, ouais. le tweet était un peu naze, mais au moins, ça résume effectivement, pour ceux qui ont suivi la dernière. Et notre phrase, que des streamers de plus de 30 ans, alors, ça va être en piche. Ouais. Non, mais il y a eu bien pire. Bah merci. J'ai eu ça, j'ai dit sympa. Il y a eu bien pire. Il y a eu 30 ans pour être là, apparemment. Il y a eu pire, et d'ailleurs, Gotha, pendant son live, a cité du coup un tweet qui était donc bien pire, et vous allez pouvoir l'entendre. Amorcer parce qu'il y a des gens qui disent je vois un truc par exemple très vénère, un peu plus fort s'il te plaît. Ils sont où les streamers arabes du dernier event? Kamel, Bibi, Côté, Amine, Billy et les gosses, Michou, Inox et Gotha, Lox, Squeezie, c'est un event 100% bienveillance, bien raciste. En fait non, il nous a invités, Zera, les gars, attention hein. Oh bordel. Plutôt bien en fait, peut-être sûrement par rapport. Juste en fait, il faudra peut-être désamorcer. Par rapport à la force du propos qui est quand même un petit peu abusé. Arabe gros, mec, c'est parti tellement loin. Ceux qui ne sont pas. Alors justement, est-ce qu'ils ne sont pas conviés? Est-ce qu'ils étaient invités là? Effectivement, on a Gotha qui dit bien que c'était invité. On va revenir là-dessus. Mais on a notamment réponse de Kamel. Qui dit, je viens de regarder Twitter après mon live, les gars, ça n'a rien à voir avec le racisme ou quoi que ce soit. L'event a toujours été un event de fou qui réunit tout le monde. Que vous voulez pas regarder, participer cette année, c'est une chose, mais n'allez pas insulter. Tu vas pouvoir lire mettre la suite. N'allez pas insulter ou mettre une mauvaise ambiance, réputation sur l'événement, ou même trash des streamers qui vont personnellement. J'ai été invité et j'ai expliqué en live pourquoi j'irai pas cette année, donc soyez cool. Je suis sûr que l'événement va être incroyable. Ceci étant dit, on peut pas en vouloir aux gens d'avoir voulu faire un amalgame un peu chelou parce que il se trouve qu'effectivement quand tu alignes les noms tu fais tiens c'est bizarre. Bah voilà. Justement. Mais c'est bien que les gens aient débunké le truc. Pour faire des accusations de racisme, voilà, c'est bien d'avoir deux trois infos un peu sérieuses plutôt que jeter. On est d'accord, mais surtout tout va très très vite. Raison de plus pour dire que c'est de la merde de faire des amalgames. C'est le problème de Twitter, ça c'est un débat, mais là t'as aucun argument pour sortir ça quoi. Tu regardes les noms, tu dis ah bah. Depuis quand Twitter t'as pas d'argument? Un qui a réussi à passer en soum soum. Ce que je voulais dire c'est que ça ne me surprend pas. Ah voilà, c'est pas pareil. La connerie des gens sur Twitter n'est pas surprenante. Balance le petit tweet un petit peu ironique de TPK, ne dit à personne qu'il y a un Kabil au Z-Event, on reste incognito ici. Oui, non, parce qu'en fait, il n'y a pas évidemment question de race ou quoi que ce soit. Billy, qui donc lui avait déjà en plus annoncé en amont qu'il n'y allait pas pour certaines raisons, eh bien, pareil, débunker le truc en disant non, mais les gars, waouh, calmez-vous, tu vas pouvoir balancer son petit trade, j'ai la peine de rentrer chez moi et d'avoir de la batterie, que j'ai énormément d'aberrations concernant le Z-Event. La famille, il n'y a aucun racisme, quoi que ce soit, ni côté de Zera, ni de leur gars, ni de personne, tous étaient réinvités pour la plupart. C'est juste que ça ne colle pas au planning de certains. Bref, je ne vais pas forcément tout lire à chaque fois, mais en gros, voilà, il explique que non, c'est juste que c'était une question de timing. Il y a Magla qui n'a pas non plus qui ne sera pas non plus à l'event et qui a retweeté le tweet donc de Billy, ce truc-là, pour expliquer un petit peu les choses. Et on a, à l'inverse, ceux qui y vont et qui sont en mode non mais les gars, tranquille quoi. Tu vas pouvoir balancer le petit tweet d'Antoine Dallet, petite ambiance sur Twitter ce soir. Moi je pense que ça va être très bien. Hashtag Z-Event 2022, let's gong, bien sûr. Et on a
celle d'MV qui est encore plus croustifondante, si je peux me permettre. Tu vas pouvoir balancer ça. Voilà, je vais peut-être vous choquer, mais même les influenceurs que vous sucez H24 n'ont pas envie que vous attaquiez d'autres personnalités pour les défendre, entre guillemets. Boycottez si vous n'aimez pas, soyez enthousiaste. Quand vous aimez, arrêtez de chier sur tout le monde au nom du fandom. Et bon. Mm-hmm. Et effectivement, speak facts. Donc ça, c'est le premier drama qui n'en est pas un, puisque de toute façon, tout le monde est en mode « Non mais les gars, calmez-vous », c'était cette histoire de pseudo-racisme. L'autre petit truc qu'on peut se dire, c'est « Ah bah oui, mais c'est vrai que la date, elle est peut-être un peu bizarre, parce que bah, le Z-Event, l'année dernière, était il n'y a pas si longtemps, octobre, et puis novembre. En septembre, ça fait peut-être, c'est début septembre, donc peut-être que, ouais. Oui, c'est la rentrée, il y a peut-être des débats comme ça. Et donc là, tu vas voir le prochain tweet, le prochain clip de Gotha qui explique la date. De toute façon, l'année dernière, moi déjà, je pensais que ce serait mon dernier event, et en plus, tout le monde avait call que c'était un peu le dernier, qu'il n'y en aurait pas d'autres. Donc j'étais un peu resté sur ça, et en plus, là, ça tombe à des dates. En fait, le truc, c'est qu'on a été prévenu il n'y a pas longtemps, mais nous, on a prévu d'autres choses sur le moment, tu vois. Parce qu'en fait, normalement, le event, c'est plus vers octobre, novembre, tu vois. Et là, c'est tôt, tu vois, septembre, c'est début de saison et tout, et en général, on a beaucoup de choses au début de saison. Mmh. Oui. Il va, non, il va pas le faire. Pas mentir, non, oh putain! Ah, t'es con. C'est drôle, t'es ça. Con, c'est drôle, marrant. Il met des suspens. On rigole bien. Tu vas pouvoir mettre le petit tweet de Michou qui, bah, un petit peu pour les mêmes raisons, voilà, je serai pas aux Z-Event cette année. Je tiens à remercier Zerator, donc effectivement, de l'avoir invité. Enfin, donc, l'année dernière, mais encore cette année. Ça tombe à la rentrée, j'ai pas mal de projets. Quoi qu'il en soit, le Z-Event sera incroyable, c'est sûr. Ce qui peut faire tirer les gens, je pose des questions évidemment. Vas-y. Ils peuvent permettre. Et bien sûr, Max. Non, mais. C'est de se dire, les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que le Z-Event, les gars? J'espère que vous avez des projets de ouf malade pour refuser le Z-Event. Si on va sur ce terrain-là, je pense que... Bah en fait, non. Je pense que ça peut être... Qui passe comme ça, pense mal. Enfin, désolé, on n'arrête pas de vivre parce que Zerator t'a appelé. Faut tu peux être en vacances aussi. C'est juste parce que t'as envie d'être là. Pas par rapport à Zerator, par rapport au fait que ce soit le plus gros live caritatif. Oui, mais si les gens... En fait, tu peux pas t'arrêter de vivre, entre guillemets, si ça se tombe mal. Si c'est un truc qui est... Genre, ok, t'avais quelque chose de prévu et t'en vas dire, ah, bah, je peux le décaler parce que The Event, c'est quand même un gros projet. C'est quelque chose qu'on fait. Moi, je l'ai fait quasiment tous les ans, à part une fois où j'avais un petit truc, genre ma fille est née. Mais petit truc de voilà. Mais après, je les ai tous fait. Et effectivement, t'as pas. Si tu peux être présent, tu l'es, quoi. Mais comme ils l'ont dit, là, c'est début septembre. Je pense qu'il y en a plein qui ont aussi déjà des trucs qui sont bookés. Enfin, nous, en fait, je passe pas ici, mais nous, on a déjà des trucs pour début septembre. Et je suis en mode, là, je viens de me rappeler la date. Je suis en mode, gars, heureusement que c'est pas genre le 7. Voilà, il y a plein de trucs comme ça parce que tu as des responsabilités. Les gens ont des boîtes, les gens ont des trucs débookés. Tu fais préparation. Regarde, les gars comme Gotha, etc. Ils ont des salariés, ils ont des machins. C'est pas que, ok, bah, j'annule tout et on y va. Il y a aussi ça qui joue, tu vois. Effectivement, si tu peux te permettre de mettre sur le côté. Et si t'en as l'envie aussi et d'y aller, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui pensent comme ça, enfin désolé, pensent mal. Les événements caritatifs, il y en a plusieurs dans l'année. Le The Event, celui qui a le plus gros rayonnement en France. Certes, mais c'est pas parce qu'il y a le The Event que tout doit s'arrêter non plus pour les gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Même si, je le dis encore une fois, je les ai tous faits. Et si j'avais eu quelque chose de prévu qui était déplaçable, etc., je l'aurais fait également. Mais voilà. Mais on peut aussi voir l'inverse. Quelqu'un qui aurait peut-être un événement qui est déplaçable, mais il y a un événement, il est en mode ça fait chier. Et il se dit, bah, peut-être que moi, si j'y vais pas, il y aura peut-être d'autres streamers, peut-être un peu plus petits, entre guillemets, qui pourront y aller. Et du coup, je peux voir ça comme je laisse ma place. Ouais, j'y crois peu, mais d'accord. Ok. Bref, chacun se fera... En tout cas, moi, je n'ai pas été invité. Hein, voilà. Si, mais si. On va avancer, ouais. Puisqu'il y a le quiz juste après. On va parler donc de Zera, qui a fait un petit trade, justement, puisqu'il a vu que ça... Parce qu'en fait, à la base, normalement, quand tu annonces un événement caritatif qui se passe bien avec plein de streamers, ça va être sympa. Tu ne t'attends pas à avoir une certaine shitstorm. Hein, il y en a eu, en tout cas. Pour les streamers ne pouvant pas venir aux Z-Events, ne retombez pas dessus. On a envoyé la plupart des invitations le 4 mai, pour être exact. Quand c'est un problème de planning, c'est pas de chance, mais on ne peut pas tout décaler. On pensait que prévenir 5 mois à l'avance, c'était suffisant. Bref, il explique, je vais pas évidemment faire tout le trade, que bah, les gens qui soi-disant n'ont pas été invités parce que blablabla, si en fait, a priori quasiment tout le monde l'a été, et chacun évidemment fait ce qu'il veut. Lui, en tout cas, ne voit pas de problème, juste bah, tu peux pas venir, ou même limite tu ne veux pas venir, il y a pas de souci frérot. Il rappelle dans ce trade-là que, évidemment qu'il y avait un...
On est sur un escalier pour l'instant au niveau des montants. Peut-être que cette fois-ci, dû à l'absence, dû à peut-être d'autres paramètres, ça fera moins. Il est en mode, je m'en fous. On va faire un gros événement pour une action caritative. Mais il l'a dit à plusieurs reprises. On a eu Dash en émission qui l'a dit à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, il y a le côté, tu vas taper des records, mais tu as aussi conscience que tu ne vas pas pouvoir taper de records tous les ans. Attends. Et rien ne dit qu'avec les streamers qui sont absents pour cette édition-là, tu aurais refait 10 millions ou peut-être plus, tu vois. Déjà, personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent 10 millions l'année dernière, ils l'ont fait, mais ça se trouve, cette année, avec les mêmes personnes, tu n'aurais pas fait 10 millions. Le truc, c'est que, certes, ils ont amené une ambiance de fou, tu as vu Amine qui a fait des choses de dingue, mais en fait, moi, ce qui me déplaît dans cette histoire, c'est que c'est un peu aussi insulter les autres streamers qui sont là. Et en plus, il y a des gros streamers là-dedans. Y a pas, dans les 50, il n'y a pas vraiment de petits streamers. J'ai vu des tweets de mecs qui étaient en mode. Putain, ça dégoûte, du coup, il n'y a que des randoms. La gueule des randoms. J'aimerais bien être random comme eux. Je veux dire, l'année dernière, Squeezie, Gotha, Ami, ils ont lead des trucs, mais il y a d'autres streamers qui peuvent aussi lead, parce que justement, comme ces personnes-là ne sont pas là, d'autres peuvent prendre leur relais. Après, le seul truc qui est notable, je trouve, moi, c'est qu'il y a... C'est un Z-Event aussi qui a une coloration e-sport. Il y a pas mal de streamers e-sportifs qui vont être là, des joueurs de Trackmania, etc. Un peu, je trouve peut-être un peu plus que les autres années ou pas, mais c'est pas un souci. Non, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est pas un souci en soi. Donc, et puis aussi autre chose, c'est un événement caritatif. T'enlèves le côté caritatif, c'est juste un show. Je peux comprendre que ça fasse chier les gens, mais le but du truc, c'est ok de s'amuser, mais c'est aussi de ramener de l'argent, quoi. Ouais, mais là, en gros, le The Event, le problématique maintenant, c'est que c'est devenu trop gros. Plus gros que le côté caritatif. Zerator, j'aime bien cette expression, mais c'est pas vraiment ça, mais a créé un monstre quoi, qui ne peut plus contrôler. C'est littéralement ça. L'événement lui appartient plus. C'est pas parce qu'il y a Z dessus que voilà. Et en fait, c'est devenu tellement big, tellement gigantesque que les gens, chaque année, se hype de plus en plus. Et ce qui est super cool pour tout ça. Mais moi, ce qui me désole un peu, c'est que les gens ont trop tendance à oublier que en fait, c'est un événement caritatif. Si cette année, on fait 100 000 euros, ce sera 100 000 euros pour une asso et voilà. En fait, il y a pas ce. En fait, c'est que une course aux chiffres. C'est les chiffres. Faut faire plus, faut machin. Et en fait, c'est juste des gens qui prennent de leur temps pour essayer de sensibiliser leur communauté pour telle ou telle association, passer un bon moment, faire changer le temps d'un week-end et essayer de récolter des dons d'une asso. À la fin, qui est 100 000 euros ou 1 milliard, c'est très bien en fait. C'est cool. Bien sûr qu'on va avoir le plus possible, mais juste. On a envie que les gens passent un bon moment et qu'on puisse ramener de l'argent et faire un bouge. C'est ça le principal. Alors, c'est juste que c'était la surenchère de show. De l'an dernier, il y avait un concert. Ouais. Amine et Billy ont amené un truc, effectivement. Parce que beaucoup de gens parlent de Amine et Billy à Bâle, Inox, etc. Parce qu'ils ont amené quelque chose de différent. Une communauté aussi différente qui n'était peut-être jamais intéressée aux The Event. Mais quand les gens disent cette année, de toute façon, ça va bider, ça va machin, etc. Si vous voulez parler facts, si vous voulez parler que chiffres, Amine et Billy, je crois qu'il y en a qu'un qui est dans le top 10 des plus grosses cagnotte, tu vois, de l'an dernier. Donc, on s'en fout, c'est pas ça le problème. C'est juste, on est tous réunis, on fait un truc ensemble. Et maintenant, moi, j'avais discuté avec Zerator, je crois que c'était en 2018. Mm-hmm. En 2018, il m'avait dit chaque année, c'est de la surenchère. Chaque année, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment l'arrêter. L'événement, je ne contrôle plus. Et il me dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'aimerais juste faire. Parce qu'il faut savoir que ça part. Revenir aux Avengers. Voilà. Et le projet Avengers, c'est quoi? C'est Zera qui appelle des potes. Juste des potes à lui qui leur dit, ouais, les gars, il y a ça. Ça vous dit, on fait un live caritatif. C'était littéralement ça, on y est allé, basta. Et le truc, c'est qu'il me dit, moi j'aimerais bien quelque part revenir, quand il parle de mon projet, je sais pas si c'est ça ou pas, tu vois, mais remanier la formule pour revenir peut-être au format Avenger. Il fait le truc qui est un peu bizarre, c'est que le Avenger, j'ai appelé mes potes, mais parmi mes potes, il y en a qui n'étaient pas là. Genre MV par exemple, n'était pas là, Moment n'était pas là. Et il dit, mais c'est des vrais potes à moi, donc c'est bizarre si je reviens sur ce truc Avenger, mais que j'invite pas les potes. Alors, je pense qu'il a le cul entre deux chaises et il est un peu baisé. Et voilà, mais maintenant, faut juste prendre l'événement tel qu'il est. On va tous s'amuser, on va essayer de récolter un maximum, et c'est très bien. Les gens qui sont aigris, qui ne veulent pas regarder, juste, ils ne regardent pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, personne ne va obliger à regarder. Gigi, tu as vu niveau pro, parce qu'on parlait de streamer et tout. Je veux dire, ils ramènent quand même Soprano, Big Flo, ouais, justement. Ouais. Je veux dire, c'est un manque de respect. Justement, je finis de dérouler. Donc, dernier petit tweet de Zera concernant la date, et donc ça va clôturer ce petit sujet, et ça va ouvrir effectivement sur ce que tu disais, mon cher, parce que t'es un boss. Pour les matchs de Z-Event, ce sera le troisième qui a lieu en septembre, donc c'était pas forcément tout le temps comme ça, fin octobre, avec la PGW, puis la Coupe du Monde de foot, c'était beaucoup plus compliqué de mobiliser les full streamers, donc plus tard. Il faut aussi combiner aux tournées des artistes présents au Zénith, et donc c'est là. On va pas lancer la vidéo, mais on va juste balancer le tweet avec du coup les gens qui seront au pré-show.
Donc ce sera précédé d'un show musical exceptionnel le 8 septembre aux Zénith de Montpellier avec donc Pivi Nova, Little Big Whale qui était là la dernière fois, French Fuse, Berry Wham, Big Flo et Oli et Soprano qui seront donc là-bas cool, hein. Avec Trailer. Oui, mais j'ai dit qu'on... On le met pas ? Bah, en fait, c'est moi, niveau du temps, j'ai l'impression qu'on est un peu short. Et c'est, ça dure une minute. Bon, en vrai. Bah, en fait, pour une minute. Mais franchement, pour une minute. Le trailer, c'est ce que je viens de dire en image. Hein, mais vas-y, super. Regarde-moi ça. Balance-moi. Au pire, on fera qu'un tour de questions. On va pas crever, hein. Ça va aller. Personnes attendues, comme effectivement un bon pré-show. Hein. Pour acheter vos places dans quelques jours, c'est pas encore dispo, je crois. Voilà. Et donc, dernier petit drama, entre guillemets, c'est au point de vue de l'assaut. Il y avait déjà eu, avec Action contre la fin, des « Ah oui, mais voilà, forcément, tout va être un petit peu épais. » Et en même temps, il y a beaucoup d'argent, donc c'est aussi normal. Que tous les ans, l'assaut a les problématiques. De tout. Bah, les gens, en tout cas, font leur recherche, comme ils disent. Ils disent « Ah oui, mais attends, l'assaut, elle fait ci, elle fait ça. » Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passait. Donc, là, cette fois-ci, c'est Good Planet. Le principe est évidemment d'être, de protéger un maximum l'environnement. Tu vas pouvoir mettre le petit truc qui déjà a été ressorti. Vous connaissez les NFT, donc ça, c'était en février. Savez-vous qu'ils peuvent servir l'intérêt général? La fondation Good Planet et Elementeers s'associent pour sensibiliser la communauté 3.0 à la cause environnementale lors d'une levée de fonds insolite. Jetez un œil. Et donc, eh bien, des gens commençaient à ressortir ce tweet-là en disant « Ouais, mais les gars, les NFT, au niveau pollution, déjà, c'est pas forcément top. » Et de manière générale, les NFT... Actuellement, c'est pas le truc qui fait le plus, comment dire, qui est le plus positif. La meilleure vitrine. Ouais. Et en fait, ils ont répondu. En fait, ce qui est bien, c'est que depuis hier, les mecs de cette association sur Twitter sont au taquet pour répondre point par point à chaque mec qui leur chie dessus. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, chaque mec. En tout cas, la sacré plupart. Boulot. Ah bah, et donc ils sont là avec des faits en disant, ok, ouais, c'est parti, on y va. La preuve sur Total, là, on va pouvoir. Donc le principe de une association écolo qui partait qui comment dire, qui a des bails avec Total, ça fait toujours un petit peu bizarre. Tu vas pouvoir mettre leur réponse qui va être, je crois, juste en dessous. Voilà. Bonsoir, pour clarifier, Total n'est pas un mécène de la Fondation, mais nous lui permettons de s'inscrire dans une démarche de contribution à la neutralité carbone, etc., etc. Je ne vous lis pas tout, mais en fait, voilà, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il disait oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. En fait, voilà. Ça, j'aime plutôt bien ce côté où. Réponse, mais même sur des trucs un peu. Là, le mec, il a juste mis PTDR. Hein, et les gars ont quand même dit bah ouais, mais en fait, il y a ça, qui fait que bah, peut-être que tu prends l'argument, tu le prends pas, mais en tout cas. Ils cherchent à se défendre et en vrai, de ce que j'ai lu, c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Et on finit du coup sur l'autre petit drama, entre guillemets, c'est le fondateur de cette association, c'est Yann Arthus Bertrand. Et il avait été pour la Coupe du Monde au Qatar et notamment, ça a évidemment eu un petit bad buzz sur le fait que bah, au Qatar, ils vont avoir des grands stades ouverts avec climatiseurs. Enfin bref, ouais. Pour au niveau écologie, c'est la merde. C'est catastrophique. Et les mecs sont en mode, oui, effectivement, il a fait une connerie. Mais sur certaines choses, en gros, il devait à la base faire des stades qui allaient être démontables pour pouvoir être remis ailleurs, etc. Donc, en tout cas... L'idée de départ n'était pas dégueulasse et juste, bah, évidemment, il y a eu des dérives après. Bref, chacun prend les choses comme il le veut, il n'y a pas de souci, on peut très bien dire « Ah oui, mais du coup, machin ». Il n'empêche que ce truc-là a été fondé pour servir l'écologie. Donc, à la base, il y a ça. S'il y a des petits dérapages, ils ont essayé en tout cas de corriger certaines choses et de rapporter leurs arguments, et c'est déjà très bien de le faire vraiment minute 1, quoi. On se fait attaquer, on essaie quand même de défendre nos valeurs. Mais voilà, on aurait tous préféré que ce soit la fondation Philippe Chatrier, évidemment, mon cher Honnêtement, Genius. Je vais la proposer l'année prochaine. Tu peux la proposer l'année prochaine. Mais en vrai, ça reste une cause qui est noble. Ils font ce qu'ils peuvent et ça va. Si Zera l'a validé, ils ont largement le temps d'en reparler. Zerator, au début de son live, expliquera des tonnes de choses. Il y a un intervenant qui expliquera tout. Voilà.
Arrêtez de chier sur le truc, donnez la chance au produit, regardez si vous avez envie, regardez pas si vous n'avez pas envie. L'important, c'est qu'il y ait des beaux events comme ça qui voient le jour et qu'on puisse se régaler pendant un week-end et même un peu plus, puisque maintenant il y a même le concert avant. Donc ça devrait être très cool. Et Gigi, évidemment, qui ira nous présenter sur place. Rien que ça, ça suffit. Ce sera très très cool. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur les events et qu'on a fait le tour. Tout à fait. Si on se faisait un petit quiz. Oh, un petit quiz. Allez, le petit quiz. Si on se faisait un petit jingle. Oh, petit jingle. Man. Bonjour tout le monde. Film, c'est ma queue. Film, non, va, je pense qu'on peut tout faire aujourd'hui sur le quiz. Faut bourrer. Juste aller vite. Faut bourrer. Juste aller vite. Allez, on va bourrer. Max servira de Joker comme à l'ancienne. Vous le savez. Joker. Tu géreras les besoins. On est bien. Ce sera absolument. Je suis cassé. Parfait quiz du jour où nous allons décider de l'ordre. Max, tu veux dire quelque chose? Prenez vos tablettes. Le code est 0000. 0000. Effectivement. Attendez. On va aller très très vite. Vous êtes prêts? Test buzzer. Nanix, vas-y, appuie dessus. Non, non. J'étais en train de regarder Rof. Attends. Quoi? Oh, oui, j'ai merlé, j'ai découpé. Allez vers le haut pour déverrouiller. Vas-y, buzzer. Ok, le son est extrêmement faible sur le plateau. Attends, moi. Oh. C'est bon. Ça a l'air d'être. Ça va marcher. Ça marche. Le pire. J'ai ni le son dans l'oreillette ni sur le plateau. Ouais, on les entend en régie, donc tout est bon. Question de rapidité. Je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. Vas-y, appuie sur. Hop. Quelle application? À bugger à l'aéroport pour Nanix. Bonjour, je m'appelle Olivier, je travaille à Magic Corporation. C'est mort. Ok. Faut buzzer. Oui. C'est tout sorti aiguille. C'est ce qu'on appelle un cas d'orthophonie grave. Et ça peut pas être validé comme ça de réponse. C'est extrêmement grave. Mais ton appli, c'est ton histoire. Mais le buzzer. Et parce que. Non, le buzzer a été désactivé, c'est normal. Nanix, est-ce que tu m'as dit? Les gars, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps. Mais je suis sorti, je serai en premier. Arrêtez d'appuyer, putain. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Qui autour de ce plateau? Erwan la Botrette. Tu es disqualifié. Tu fermes ta gueule. Suceur. Qui pèle du crâne en ce moment? Erwan la Botrette aussi. C'est Olivier de Magic. Attends, il a pelé aussi. C'est une bonne réponse. C'est pas grave. Pourquoi? Pas grave. Ah non, mais en fait, donc c'est lui qui a la mienne, donc c'est moi qui l'ai trouvé. Donc c'est Rofelo, c'est moi qui parle. Non, ça fait 1, 2, 3, 4. Bah, ils sont dans le bon sens. Okay. Juste, Nanix, t'as gagné, t'as pas participé. Ah non, Boss 3, c'est lui. Il est en mode. D'accord. Et dernière question. C'est pas grave. Attention, c'est entre Janus et toi. Je vais te bouffer. De quel événement caritatif venons-nous de parler à l'instant? Le Zaliman. C'est une bonne réponse. Voilà. C'est pas moi encore là? Ah non, c'est moi. La lumière. Moi, quand j'ai pas le son, je me fais bien baiser. Les sujets, les amis, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc il va falloir aller assez vite. Nanix, tu vas commencer. Tu as le choix entre tradition française, ils sont nés un 5 juillet, marque de vêtements, les pubs à la télé, date marquante, chien célèbre, monnaie et moyen de paiement ou quiz mystère. Je n'ai pas d'indice Mendro cette semaine. Sachez que Max peut vous servir de joker, comme d'habitude. Nanix, est-ce que tu commences? C'est pas le joker de Max, du coup. C'est juste que tu as le droit de lutter une seule fois dans tout le temps. Faut qu'il ait une mieux que toi, quoi. Tu peux dire, je ne sais pas, je demande à Max. Mystère, t'as des couilles. J'ai fait le calcul. Venez, allez vite. Marque de vêtements. Marque de vêtements, c'est bon. Oh, t'as un sapeur, toi. T'as un sapeur. Marque de vêtements, tu striques ou pas? Non, je strique pas. Il strique pas. C'est parfait. 90 secondes. Marque de vêtements. Je ne sais pas si vous avez mis un bet en régie pour nos amis. Vous pouvez le faire pendant qu'on commence. 90 secondes. Marque de vêtements. N'oublie pas que tu peux utiliser Max une seule fois dans tout le Max de vêtements. Une seule fois dans les deux quiz. Oui, dans donc si tu m'utilises pas, tu m'as après. C'est la folie. On y va. C'est la folie, la vanité malade. 3, 2, 1. Quelle marque de prêt-à-porter est appelée la marque du crocodile? Lacoste. C'est une bonne réponse. Bon. Quelle est la position du félin présent sur le logo Puma? Quoi? Quelle est la position du félin présent sur le logo Puma? Il saute, c'est une bonne réponse. De quel pays est originaire la marque Adidas? Allemagne. C'est une bonne réponse. Quelle marque réputée pour les surfeurs a pour logo une montagne recouverte par une vague? Quicksilver. C'est une bonne réponse. Quel modèle de jean a rendu célèbre la marque américaine Levi Strauss? Levi's. Le Levi's. Le numéro. 501, merci. Quel statut avait au sein de l'entreprise l'employé qui a créé le logo Nike? Quel statut? Qu'est-ce qu'il faisait dans cette entreprise? Je sais. Président? Non, absolument pas. Quelle marque d'équipementier sportif a pour logo deux losanges de couleur bleue positionnés horizontalement? C'est une mauvaise réponse. Quelle marque de sous-vêtements pour hommes est réputée pour ses boxeurs aux couleurs vives et aux dessins issus de la pop culture? Tu l'as, quoi. Oui. Marque de sous-vêtements pour hommes réputée. C'est les mecs de Biarritz. C'est une bonne réponse. Quel basketteur américain a aidé à améliorer le design des chaussures Converse au point d'y inscrire son nom dessus? Je sais pas.
Quelle marque de prêt-à-porter française créée en 1986 a un logo qui affiche trois vaches qui se suivent? Trois vaches qui se suivent? Ah, pas évident. Non, j'ai pas, vas-y. Quel statut avait au sein de l'entreprise l'employé qui a créé le logo Nike? Bah, il était employé. Oui, bien sûr. Non. Et... Quelle marque d'équipementier sportif a pour logo deux losanges de couleur bleue positionnés au rythme? Attends. Allez, je prends Max son Joker sur la. Non mais j'ai pas. Est-ce que c'était c'est quoi? C'est pas Umbro? Mais je pense, mais alors ils ont fait une erreur parce qu'ils m'ont mis deux fois c'est Umbro, je crois. Donc c'est pas. C'est Umbro de triangle. Je pense que c'est Umbro, effectivement. Non, c'est losange. C'est losange, c'est comme ça. C'était quoi les questions? C'est losange ou triangle? Quelle marque d'équipementier sportif a pour logo deux losanges? Losange, leur bleu. Ah oui, c'est Umbro. Tu m'avais pas dit Umbro? Non, j'ai pas dit. Ouais, ok. Parce qu'ils m'ont, ils sont vrais. Bon, bref, mais t'as été pas mal. Il était bon, il était vraiment pas mal, puisque par contre, le statut qu'avait au sein de l'entreprise, l'employé. Graphiste. Il, non, il était stagiaire. Et tu... Ah ouais, voilà. Par contre, je savais pas du tout. Et d'ailleurs, il a pas le. Ah bah oui, c'est bien dans le fiac. Voilà. Et le basketteur américain qui a aidé à. Ah oui, Chuck Taylor. Tu sais ça, toi. C'est la marque de prêt-à-porter française. Pouline. Il avait les trois vaches. Pouline. Benenot. C'était Miso Green. J'avais pas. Miso Green, j'avais pas. Miso. Mais bon, je crois que tu fais 6 ou 7. C'est quoi la marque de sous-vêtements là? Quelle marque de sous-vêtements? Bah, Frigun. Ah ouais, moi j'aurais dit Pouline, tu vois. Chuck Taylor, c'est scandaleux. Bon, Pouline. Très très bien. On enchaîne. C'est Rof. C'est moi. Oui. C'est moi et je vais prendre tout de suite là maintenant les pubs à la télé. Oh, oh là 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 là. Les pubs. Oh, les filous. À la je strict pas, par contre. Tu strict? Non. Non plus, pas de strict pour toi. Bah, il n'y a aucun souci. Tu es prêt, tu es beau, tu sens bon le sable chaud. On est parti. 3, 2, 1. Pour quel produit le tennisman Joe Wilfried Tsonga a envoyé une pièce de monnaie dans un distributeur avec sa raquette? C'est Kinder Bueno. C'est une bonne réponse. D'après une pub Milka, qui mettait le chocolat dans le papier? La marmotte. C'est une bonne réponse. Comment s'appelait le poisson rouge accusé par un petit garçon d'avoir mangé? Maurice. C'est une bonne réponse. Sur quel pays s'arrêtait le globe que tournait un homme pour la pub Lotto? Australie. C'est une bonne réponse. Quel type de produit était mis en avant dans la publicité ou en cochon en 3D nommé Dédé discutait avec des oies? Des jeux à gratter. C'est une bonne réponse. Quel humoriste en parodier la pub Matin Lactel dans laquelle un enfant demandait à son père comment on fait les bébés? Alain Chabat. Chabat, Faouja, donc ces groupes d'humoristes. Oui, les nuls. C'est une bonne réponse. Quelle actrice à la stature internationale a été l'égérie du parfum Chanel numéro 5, de la Nintendo DS ou encore de la boisson Schweppes? Salma Hayek. C'est une mauvaise réponse. En 1986, de quel film provenait la musique de la pub Royal Canin où un berger allemand courait pour ralentir? J'aurais pas le. Aïe. Je vois Quel type de service était promu dans la publicité où un homme criait c'est qui le patron dans sa voiture? C'est qui le patron? C'est pas un truc de location de voiture? C'est une bonne réponse. Quelle série télé diffusée en 1988 sur Canal Plus a inspiré les pubs MAF qui débutaient par la phrase appelez-moi le directeur? Je l'arrête pas. C'est pas mal dur, on va pas se mentir. Quel humoriste. Quelle actrice à la stature internationale a été légère? C'est pas Uma Thurman? Pas mal, non. En 1986, de quel film provenait la musique de la pub Royal Canin où un berger allemand courait au ralenti? Il l'a là-bas. Tout le monde l'a. Hein, vous l'avez tous, c'était. Chima est professionnel. Professionnel. Pourquoi t'as pas pris Max? Ça aurait pu t'aider. Ah, Max Hilda. Je peux te régaler. Autre chose que le professionnel? Non, je pense. Non. Alors attends, avant de me régaler, je pense tous les Schweppes, donc. Avant de me régaler, tu as été très bon, t'as tenu. L'actrice, c'était. J'ai pas l'actrice. C'était Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ah oui, bah. Fallait s'en souvenir, effectivement. Location de voiture pour C'est qui le patron? Et série télé. Palace, ça c'est Palace? Ça, c'est Palace. Oh là. Bonne réponse, ça. Très très bon. Très très bon. Ouais, t'es pas mal, hein. En vrai, franchement, tu t'en es bien sorti. Tu échoues à 3 questions. Ça fait un bon solide 7 sur 10. Et tu as toujours ta streak et tu as toujours Max. Et on enchaîne avec Geniuses. Pas cadeau les trucs aujourd'hui. Bon, 5 juillet. 5 juillet ? Ils sont nés un 5 juillet. Allez, ils sont nés un 5 juillet et j'ai l'impression que tu vas être en légende dessus. Je me sens plus sur les autres thèmes que les autres. Est-ce que tu streak ? Allez, mets-moi le streak. Oh là là. Le streak, et n'oublie pas que tu as Max. Une seule fois. Dans la vie. Oui, dans la vie. 3, 2, 1. Quelle Française, ex numéro 1 mondiale de tennis, a été l'entraîneuse d'Andy Murray ? Maurice Mont. C'est une bonne réponse. Quel acteur français était à l'affiche des films La French, Bac Nord et Les Infidèles aux côtés de Jean Dujardin? Lelouch. C'est une bonne réponse. Quelle ex-présentatrice du JT de TF1 officiant désormais sur CNews porte un nom de marque de voiture de sport? Ferrari. C'est une bonne réponse. Quel président de la 5ème République a gouverné entre Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing? Ah, le brevet. Allez, vas-y. Bobidou. C'est une bonne réponse, attention. Quel homme de télévision a animé durant 6 ans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3? C'était Laurent Ruquier. Ah,
Quel était le nom de la brebis, premier mammifère terrestre cloné de l'histoire, né le 5 juillet 96, on en a parlé hier. Dolly ? C'est une bonne réponse. Comment s'appelle l'homme politique français, père de Martine Aubry, qui a donné son nom au stade de Lille, rebaptisé Décathlon Arena en juin 2022 ? Oh putain, il va me tuer. Ah, il va te tuer. L'homme politique français, tu l'as ? Vite, dépêche-toi, 30 secondes. Non, je vais pas, je suis encore sur mon papier. Il n'y a pas de souci. De quel sport s'illustre l'américaine Megan Rapinoe, née le 5 juillet 87. C'est une bonne réponse. Quel animateur, longtemps chroniqueur de Laurent Ruquier, désormais sur Europe 1, a été le premier animateur du journal du Hard sur Canal+. Tu l'as ? Oh. Tu l'as ? T'as connu ? Tu connais ça ? Vivelle, comment il s'appelle ? Non, si je lève. Quel poète, dramaturge et cinéaste français a réalisé la première version de La Belle et la Bête en 1946 avec en vedette l'acteur... C'est une bonne réponse. Quel homme de télévision a animé... Fogiel. Mais non. C'est Fogiel. Non, mais si. C'était Marc-Olivier Fogiel. Tu la donnes pas ? C'était un peu tard. Ah, tu la donnes pas ? C'était un peu tard. J'ai quand même dit Fogiel quand même. Non, t'as beaucoup bégayé. Bien, si tu me l'avais dit de suite et tout, mais. Jean Cocteau est arrivé. Mais Jean Cocteau était très bon. Jean Cocteau, alors effectivement, Fogiel, pour On ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Dolly, ça c'est une Slumdog Millionnaire. Hier, on a fait un quiz et ça faisait partie des réponses qui étaient mauvaises, mais on en a parlé. L'homme politique français. Jacques Delors. Non. Père de Martine Aubry. Non, c'est Pierre Mauroy. Ah, du nom du stade. J'aurais pas eu. Ah, pas cadeau. Football, c'était bon. Animateur du journal du Hard. C'est pas Philippe Vandel. Vandel. J'ai dit Vivelle, mais j'avais plus. Vivelle, Vivès. Vivadop. Non, ça marche pas. Philippe Vandel, mais c'est pas mal. Et tu nous signes un solide 7 là pour l'instant. Ça commence pas mal. Ça commence très très fort. Sur Fogiel, j'arrête. Et ouais, journal du Hard demande à Max Hildan, putain. Le quiz mystère, c'est la vacune. Je vais garder pour après. Ou ça me tombe du bon côté ou du mauvais côté. Oh, tu fais mystère, t'as dit que le quiz. Waouh, gros, c'est peut-être pas. Ouais, c'est parti, le quiz mystère pour Erwan, qui n'est autre. Attention. Que les moyens. Le Z Event. Moyens mnémotechniques. Non, ça va. C'est un truc de tous les jours, c'est tu bon. Tu fais ces conneries en plus. Ouais. C'est conneries. Tu streaks ou pas ? Oh, bah, évidemment que non. Ah, excellent. Tu fais 8, je suis sûr. Ouais. Bon, prépare-toi. Je suis cata là-dessus. Tu es prêt ? Allez, 3, 2, 1, tu as Max, n'oublie pas. Quelle phrase mnémotechnique permet de se rappeler facilement des conjonctions de coordination ? Mais où est donc Ornicard ? C'est une bonne réponse. Que possède toujours le mot toujours et plusieurs fois le mot plusieurs ? C'est une bonne réponse. Quel mot désignant un générateur de courant électrique permet de savoir les directions indiquées par bâbord et tribord ? Quel mot désignant un générateur de courant électrique permet de savoir les directions indiquées par bâbord et tribord ? Il y a un moyen mnémotechnique pour savoir que bâbord, c'est quelque part... Droite et gauche ? Oui, d'accord, mais c'est quoi le mot ? Le mot qui désigne aussi un générateur de courant électrique. Je sais pas. Il ne l'a pas. Non. Allez. Quel mentaliste aux 2 millions d'abonnés est capable de retenir plusieurs milliers de décimales ? Mesmer. C'est une mauvaise réponse. Quel personnage fictif de l'univers Disney ont des noms faciles à mémoriser grâce à la phrase « À jouer presque seul, tu deviens grincheux ». Max ? Je l'ai pas, je suis... Merci d'être là. Ah, il faut pas tout avoir, hein, tu l'as pas. Hein. Quel élément composant une scène de théâtre est plus facile à retenir qu'ayant les mêmes initiales que Jésus-Christ, Jules César ou encore Jacques Chirac ? J'y sais. Cours et jardin. C'est une bonne réponse. Voilà, bon. Afin de retenir les noms des grands auteurs du XVIIe siècle, quel mot manque-t-il dans la phrase « La corneille sur la racine de la bruyère boit l'eau Molière ». Vas-y, passe. Tu ne l'as pas. En mathématiques, quelle phrase peu agréable à entendre peut-on former avec les formules annonçant les relations entre sinus, cosinus, tangente et hypoténuse ? Aucune idée. C'est quoi ça ? Et la dernière, c'était quelle liste d'éléments découverts dans la Bible sont facilement mémorisables grâce aux lettres composant la phrase « ce galop » ? Ouais. Bon, allez, on va revenir sur tout c'était ça. C'était les Aristochats ou un truc Non, c'était tout simplement les sept nains, hein, puisqu'il Y avait Grinchot à la fin. Les gars, honnêtement. Alors, quel mot désignant un générateur de courant électrique permet de savoir les directions indiquées par bâbord et tribord ? C'est plutôt facile, hein, puisque bâbord, ça commence par BA, tribord, ça commence par tri, ça fait batterie, une batterie qui est un générateur de courant électrique. Quel mentaliste aux 2 millions d'abonnés ? Bon, c'était Fabien Olicard. Les personnages fictifs, donc à jouer presque seul, tu deviens grincheux, c'est les sept nains, puisque c'est Hatchoum joyeux, prof simplet, timide dormeur, grincheux. Évidemment, côté jardin et côté cours, c'était bon. La corneille sur la racine de la bruyère, boileau de La Fontaine, évidemment, Molière. En mathématiques, quelle phrase peu agréable à entendre
peut-on former avec les formules donc sinus, cosinus, tangente, donc c'est casse-toi, casse-toi, c'est le moyen mnémotechnique. Quelle liste d'éléments découverts dans la Bible, donc on l'a dit, ce galop, c'était les sept péchés capitaux, donc colère, envie, gourmandise, avarice, luxure, orgueil, orgueil, paresse. Et le dernier, c'était quel lien ont les pays qui forment la phrase mal baisé avec leurs initiales. Ce sont les pays limitrophes de la France, Monaco, Andorre, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Espagne. Bon à savoir ça. Oh là là, pas mal. If mal baisé. Trois points, ça te permet d'enchaîner avec le sujet de ton choix. Oh, date marquante. Ah, la vache. T'as pas streak en plus, donc là t'as la streak. Tu n'as plus Max, malheureusement. Ah, désolé, j'ai servi à 18 là. Ouais, ça va aller, ça va aller. Pas cadeau en même temps. Non, pas cadeau, franchement, il n'était pas évident non plus, on va pas te jeter la pierre. Mon cher ami, il n'y a même pas parti. La phrase sur les planètes, là, je m'attendais à ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous jette pas la pierre, on est parti. Joli. Top. Quelle ville américaine est principalement associée au 11 septembre ? New York. C'est une bonne réponse. 1515. Marignan. C'est une bonne réponse. Que s'est-il passé le 12 juillet 1998 ? Zidane met un doublé, la France gagne 3-0 et est championne du monde pour la première c'est fois. C'est absolument magnifique ce que tu me dis. Dans quel pays se déroula la bataille de Marignan ? Quel pays ? Attention. Beaumont. Marignan, 1515. En Italie. C'est une bonne réponse. Mmh, en quelle année eut lieu la prise de la Bastille ? 1789. Oui, heureusement. En quelle date s'est déroulée la première version du Popcorn Festival dans la ville de Montcuq ? Cette année-là, en 2022. Oui, mais à quelle date ? C'était quand ? Ah, oh, c'était vendredi ou 3 juillet ou 4 juillet. C'est dommage. À quelle date désormais marquée comme jour férié a été officiellement proclamée la capitulation de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale ? Alors, vas-y, répète. À quelle date désormais marquée comme jour férié a été officiellement proclamée la capitulation de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale ? Putain, la première, c'est le 11 novembre, mais c'est donc la deuxième, c'est quoi déjà ? Vas-y, je... 8 novembre, pardon. Aïe, 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 non. En quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland-Garros et reste toujours de dernier Français ? En quelle année ? En quelle année ? 83. C'est une bonne réponse. Quel jour a été déclaré officiellement le tout premier confinement ayant eu lieu en 2020 ? Le jour même, il faut. Hein. Ouais, mais... C'est mars 2000, c'est mars 2019. T'es quoi ? Que t'es mars 2019 ? De mars, quoi ? Non, confinement. C'est une mauvaise réponse. Quel jour de l'année 1989 a eu lieu la chute du mur de Berlin ? Excuse-moi ? La chute... En... Quel jour de l'année 89 a eu lieu la chute du mur de Berlin ? Le jour ? Le jour. Ouais. Ah bah oui. Une chance sur 7. Il y a 89 dans le titre, hein, donc effectivement. Mais on avait dit les dates marquantes. Et c'était... c'était... Le 11 octobre, non ? C'était le 9 novembre. 9 novembre. 9 novembre. C'est pas loin, j'ai dû savoir. Bon, c'est dommage parce que, tu sais, tu m'as dit mars. En vrai, je trouvais ça très, très dur pour le confinement. Ouais, mais en fait... Tu m'as dit mars 2019. Tu m'aurais dit mars 2020. Ah, c'est 2020, c'est Covid-19 parce que c'était genre fin 2020. Non, non, mais... 17 mars. Tu m'aurais dit juste mars 2020. Je te l'aurais accepté. Mais bon, malheureusement, c'était le 17 mars 1983. C'était bon. Bon, officiellement, l'Allemagne, c'était le 8 mai 1984. 45, pardon. Le 8 mai. 8 mai. Le 11 novembre, j'ai pas le 8 mai. Popcorn Festival, c'était samedi, donc on était le 2 juillet, littéralement. Off, ça l'a terminé le 8 novembre. Le fait marrer, c'est que je glisse un petit 8, il dit 8 novembre, et il fait putain, tu me fais chier. Mec, je peux pas t'aider plus. Tu mets quand même 7 points au total avec une mini streak le 1789 et 3 points supplémentaires. Ça fait que tu montes à 10. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, ton quiz mystère, t'as pas aidé. Il nous reste 7 minutes, effectivement, on enchaîne directement avec. Que celui qui a le moins de points, c'est Nanixos. Qu'est-ce que tu prends ? Monnaie et moyen de paiement. Comment ? Monnaie et moyen de paiement. Quoi ? Monnaie et moyen de paiement. Pardon ? Monnaie et moyen de paiement. Ok, je comprends ce que tu dis. On est parti. Tu as toujours Max et tu as la streak. On est parti. 3, 2, 1. Quelle est la monnaie des Britanniques ? La livre sterling. C'est une bonne réponse. Quelle monnaie était en vigueur en France jusqu'en 1959 ? L'écu. Oh, tu es malade. Le franc, un bâtard. Non, même pas. Quel pays, le yen, est la monnaie officielle ? C'est la Chine. Oh, j'ai envie de te casser la gueule. Quel système de service de paiement en ligne entré en bourse en 2002 était une filiale de l'entreprise eBay jusqu'en 2015 ? Oula. PayPal ? C'est une bonne réponse. Comment s'appelle l'opération économique qui consiste à céder un bien matériel en échange d'un autre bien ? Ah, c'est du troc ? C'est une bonne réponse. Bien. Quelle est la monnaie officielle de l'Équateur, Porto Rico ou encore l'île des Samoa ? Ah, oh, putain, si... C'est hyper chaud, gros. Ah, oh, putain, ouais. Max ? J'ai pas. Ok. Eh bah, dommage. On le met dans la sauce à chaque fois. Quel moyen de paiement valable au maximum 1 an et 8 jours ne peut être délivré que par un conseiller bancaire ? C'est un mandat, non ? Non, pas du tout. Non. De quelle marque sont les cartes dont le numéro débute par un 4 ? C'est une bonne réponse. Quelle monnaie est présente au Koweït, en Libye ainsi qu'au Bahreïn ? Pétrole. Pas mal. Je
pourrais dire de conneries. Donc, dis-le quand même. Non, on s'en fout. Non, il veut pas tenter. En 2012, quelle entreprise basée en Angleterre fut la première à commercialiser des terminaux de paiement par carte à des prix réduits par rapport aux lecteurs de cartes traditionnels? Il ne l'a pas. Quelle monnaie était en vigueur en France jusqu'en 1959? Le franc. Une mauvaise réponse. De quel pays le yen est-elle la monnaie officielle? Quoi? De quel pays le yen était la monnaie officielle? Et le yen. Japon. Le yen. C'était, ouais, bah là, c'est trop tard. Bah c'était là, le Japon. Effectivement, et non pas la Chine. J'étais horrible. La Chine, c'est le yuan. Oui, non, mais yuan. Tombé, j'étais horrible. Rien à voir. Alors, c'est pas le franc, puisque c'était l'ancien franc. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était pas le franc? Non. Ouais, j'avoue que. Aujourd'hui, on est en 2019, tout le monde parle de l'ancien franc. Ouais, désolé, je ne peux pas accepter. Je peux pas accepter. Par contre, PayPal, tu étais là, le troc, c'était bon. Porto Rico ou encore les îles de Samoa, c'est quoi la monnaie? Super chaud. Dollar américain. Boum. Quel pays, quel moyen de paiement valable au maximum un an et 8 jours? Elle peut être délivrée que par un courrier bancaire. Le chèque de banque. Effectivement. Ah oui, chèque de banque. Ah non, oui, bien sûr. Le Visa, c'était bon. La monnaie du Koweït, du Libye et du Bahreïn. Le dinar. L'entreprise basée en Angleterre, c'était Sumup. Sumup. On enchaîne. Avec Geniuses. Allez, je le donne honneur à Geniuses. Allez, lequel, vite. Je sais pas, chien. Je te mets la pression parce que je sens que tu vas hésiter. C'est parti, il nous reste 4 minutes. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Comment s'appelle le petit chien d'Obélix? Il est fixe. C'est une bonne réponse. Quel célèbre Saint Bernard porte le nom d'un compositeur et chef d'orchestre allemand? C'est une bonne réponse. De quelle race de chien était le chien du film Didier avant de prendre l'apparence d'un chien? C'est une bonne réponse. Quel célèbre animateur a emmené durant plus de 6 ans sa chienne Olga sur le fauteuil rouge de son plateau de télévision? C'est une bonne réponse. Quel est le nom du berger allemand ayant une série des années 60 à son nom? N'importe quoi. Quel est le nom du chien loup devant se confronter au monde des hommes inventé par l'écrivain américain Jack London? Baskerville. C'est une n'importe quoi. Quel couple appartient le labrador noir nommé Nemo? Quel couple? Ah putain. Ouais. J'adore quand il dit ah putain. Fais pas comme si tu l'avais pas, gros. Beckham. Non. Beyoncé, Jay-Z. Non. Dans quel lieu de la ville de Tokyo le chien Hachiko est-il devenu attendre son maître chaque jour? Oui, mais la gare laquelle? Shibuya. C'est une bonne réponse. De quelle race est Milou, le chien de Tintin? Oh putain, sale race. T'avais Castache Mou là. Ouais, bah non, je passe. C'est pas avec Castache Mou. Quelle s'appelait? Comment s'appelait? N'oublie pas que t'as Max, hein, oui. Comment s'appelait la chienne la plus intelligente du monde, surnommée ainsi car elle pouvait distinguer la forme et le poids de plus de 1000 objets différents? Je prends pas Max, je passe. Je passe. Quel est le nom du berger allemand ayant une série des années 60 à son nom, une étoile Max, sur Hollywood Boulevard et qui aurait inspiré le personnage de Rantanplan dans Lucky Luke? C'est quoi le prénom? Comment il s'appelle? Je l'ai pas. Putain, merde. Fait barre, comme ça. Je l'ai. Ça passait sur France 3. Lui là, en plus, il a failli te donner. Mais oui, ça passait sur France 3. C'était Ratatin. Attends, j'allais répondre. Ratatin. Ah, je crois que c'est fou. Oui, Fox Terrier à poil dur. Effectivement, le nom du chien loup devant se confronter au monde des hommes inventé par l'écrivain, c'était Cro-Blanc. Comment ça, 30 secondes, il reste 2 minutes 10. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est Cro-Blanc. Et à quel couple appartenait le labrador noir nommé Nemo? C'était Emmanuel et Brigitte Macron. Et la chienne la plus intelligente, c'était Chaser. Donc, strict quand même, puisque. Non, pas de strict, puisque t'as pas eu Rintintin. Tradition française. On finit ici, tradition française. Allez, let's Max, go. T'es là. Et Max est là. Tu as la strict. Tu n'as plus de strict. Si, j'ai la strict. 3, vas-y. 2, 1. Selon la tradition, lors du partage de départ d'une galette des rois, quelle est la personne qui doit aller sous la table? Le plus petit. Le plus jeune, effectivement. Comment s'appelle le moment convivial, souvent accompagné de boissons alcoolisées que les Français prennent avant? Oui. Quel est le nom du fromage à base de lait cru de vache que l'on fait fondre lors d'une soirée raclette? Je suis nul à ça. C'est le. Max. Ah putain, je suis nul en fromage. Max. Roblechon. Oui. Non. C'est une mauvaise réponse. Quoi? Comment s'appelle la langue régionale parlée dans les Antilles? Dans les Antibes? Les Antilles. Le créole. C'est une bonne réponse. Selon une croyance, pour conjurer le mauvais sort, que faut-il dessiner sous une baguette lorsqu'elle a été posée à l'envers sur une table? Une croix. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on la coutume gastronomique qui consiste à boire entre deux plats un petit verre de calvados? Le trou normand. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de l'homme qui a écrit la Marseillaise? Rouget de Lille. C'est une bonne réponse. Ouais. Selon la tradition, de quelle couleur doit être l'accessoire porté par la mariée lors de la cérémonie? Bleu. C'est une bonne réponse. Comment s'appelait la cuisinière née au 19e siècle qui a donné son nom à une spécialité d'omelette ainsi qu'à une auberge du Mont-Saint-Michel? Pas. Il ne l'a pas. Quel est le nom de la grande région composée du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées étant la plus productrice de vin du territoire? Oh si, tu l'as! La Bourgogne. N'importe quoi! Je suis pas de bien en vin. Le nom du fromage à base de lait cru de vache que l'on fait fondre lors d'une soirée raclette?
Mais je suis nul à ça, mec. La fromage à raclette. Fromage à raclette. Ouais, la raclette. C'était ça. Ouais, ouais. Oh, abusé. Mais c'est pas moi qui fais les questions, je connais rien au fromage. Comment s'appelait la cuisinière née au 19e siècle qui a une auberge aussi, Mont-Saint-Michel, c'était la mère Poulard. Poulard, mère Poulard. Oh, il y a la réponse dans la question, j'ai cherché autre chose du coup. Ouais, je sais, mais je sais. Mais en fait, est-ce que le reblochon, c'est du fromage à raclette? Bah, tu mets ce que tu veux. J'en sais rien. J'ai peur qu'il gagne. J'ai gagné. Je sais. C'est gagné, Bagnard, il reste 10 secondes. Bravo à Rompelos qui remporte la victoire malgré une non-streak ici. Vous avez été très bon. On se retrouve dans quelques instants pour le react avec Genius. On va parler de pas là de cul. Ciao. Oh, il a tout donné.